Comment ça va le chat? Est-ce que vous allez bien les amis? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en forme? Est-ce que vous passez une bonne journée? Yo les gars, bonne rentrée tous ceux qui sont rentrés aujourd'hui. Yo 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 yo. Mais Mich va live, ouais Emric. Emric il était là à 21h10, c'était il y a 10 minutes. Coucou Bintou, coucou Jeanne, coucou tous ceux qui arrivent. Tous ceux qui arrivent tranquillement. Yo yo Wala Bix, yo Onz. Coco, Katab, coucou, Golden Power, ça dit quoi les gars? Vous allez bien ou quoi le chat? Tranquille? Yo 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 yo, coucou, ok, on attend que tout le monde arrive tranquillement. Comment vous êtes là là les gars? C'est la notif? Il y a la notif qui est partie? Elle est trop bien la vidéo. Quelle vidéo? Merci mon ref, c'est super gentil, mais de quelle vidéo tu parles? La vidéo d'hier, de ce dimanche? Vous avez kiffé les gars la vidéo de ce dimanche? C'était hier, mais pas grave. Ouais, mais il y a deux rentrées, frérot. Il y a la rentrée du lundi, il y a la rentrée du mardi. Même demain, il y a des gens, ils vont faire leur rentrée. Ça dure longtemps, la rentrée. Garde ta barbe, Michou. Ouais, les gars, je me suis rasé un petit peu, là. Mais ça va, c'est pas... C'est un peu rasé de près. En vrai, de vrai, on va pas se mentir. Je me suis rasé d'un peu trop près. Mais ça va, ça rajeunit. Ma rentrée était trop nulle. Aïe, 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 aïe. Pire rentrée, j'ai fini quoi? Pire rentrée, pire emploi du temps, pire rentrée, j'ai fini en pleurs. Mais non, Inès. Mais non, faut pas, les gars, vous inquiétez pas. La rentrée, en fait, en général, les gens, on pense que tout se joue sur la rentrée en mode ouais, non, la rentrée, c'est pas bien passé, c'est sûr que je vais passer une année de merde. Et en fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, la rentrée, c'est les premières impressions, etc. Mais ça va vite passer, vous allez vous faire des potes et tout, vous inquiétez pas. Ta tête de bébé là. Là les gars, honnêtement, vous me croisez comme ça dans la rue au hasard. Vous me donnez quel âge? Honnêtement, vous me donnez quel âge les gars? Imagine, là on se croise comme ça dans la rue, bam bam, j'ai quel âge? 15, 15, 16, 21, t'as 19, t'as beaucoup de 15 ans. 22, 25, 25 piges, ah ouais, 20, 17. Moi, je pense que je me donnerais, sachant qu'en plus, je suis petit, j'ai une voix très aiguë et tout, je pense que je me donnerais 10... Ah, je me donnerais 18. 19. Je pense que je me donnerais 19. Aurore, merci pour ton sub, Aurore, bienvenue. Aurore qui nous dit 22. Eh bah, 22, allez, fait-on ça. Jojo, merci pour ton sub prime. 2 ans et demi, 20 je pense, 21 à tout casser. Ah bah j'ai 21, donc en vrai ça passe. Non, ça 21, 20, ok. Bon, les refs, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Ça s'est passé comment votre journée là les gars? On fait quoi? On va jouer à Hitman. Aujourd'hui on va jouer à Hitman. Les frères, je suis matrixé d'Hitman. C'est trop... Ce jeu est vraiment banger. Bien, nul à chier, éclaté au sol, moi ça passe. Ma classe pue. Alors lui, la tête d'homme, je suis une balance. Qui a dit ma classe pue? La tête d'homme, je suis une balance. Toi, mon pote, toute ta classe, ça va te retrouver. T'es foutu, frère. T'es foutu. Il est où? Ouais, t'as de la chance. J'ai pas réussi à retrouver ton pseudo. Mais toi, là, j'aurais dit ton pseudo. Hein. T'étais mort. Hein. Toute ta classe, ils allaient te retrouver. T'étais cuit, frérot. Rincer la classe. Oh là là là. Une sale classe. Et Nenny 10. Tu trouves que t'as une sale classe et Nenny 10? Ils m'ont volé mes bics. Ah, pour de vrai? Oh, le bâtard. Mais ça se fait pas. Ça se fait vraiment pas. Chris, merci pour tes 5 subs offerts. Merci beaucoup, Chris. Merci, Chefroni37. Merci beaucoup, les gars. Eh, hey, les gars, j'ai une question, là. J'ai une question importante dans le chat. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le petit outfit du jour? Ça vous dit ou pas, le chat? Outfit du jour, vous êtes chaud? Sachant que là, j'ai mis un petit outfit. Aujourd'hui, j'ai mis un outfit. Je me suis préparé pour vous. J'ai mis un outfit de qualité. Oui, oui, oui. Non, oui. Évidemment, les amis. Je suis obligé de me lever. Comme d'habitude. Outfit du jour, les frères. Attendez. J'aime pas. La caméra est trop basse. Attendez. Voilà. Voilà, là, ça va être mieux. Les amis, j'espère que vous êtes prêts. Outfit du jour les frères, papa. On en pense quoi là les gars? C'est comment en vrai? Petit t-shirt bleu, surtout assorti à la paire. Nouvelle paire les gars,
Nouvelle paire, cette paire, c'est la première fois que je la mets. Je vais pas vous mytho, à la base, c'est pas ma paire, on me l'a filé gratuitement. Je vais pas vous mytho, les gars, j'ai eu la paire gratuitement. La paire, je vous dis la vérité, hein. Bam, nouvelle paire, je vous dis la vérité, je l'ai eu gratuitement, les gars. Ça fait plaisir, franchement, merci beaucoup à celui qui me l'a offert. Il est super généreux, ça fait très plaisir. Après, je vais pas vous mytho, j'ai reçu la paire, elle buait un peu. Mais on valide. Je sais même pas c'est quoi comme modèle. Bon, la paire, c'est pas trop ma taille, mais voilà, je sais même pas c'est quoi comme modèle. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que ça va très bien avec mon outfit. Je valide. Propre, le rat. La rêve du cargo. Cargo, attends, je sais même pas, les gars. Je crois que c'est Nike Jordan, hein. Je crois que c'est... Non, mais là, je vous le dis. Aujourd'hui, sur cet outfit, c'est simple. J'ai un élément clé, c'est la paire, les refs. C'est la paire. Je la trouve, honnêtement, je la trouve magnifique. Elle est comme neuve, alors que... Je l'ai reçu de quelqu'un gratos, surtout. Je l'ai pas payé. Et ça, tu vois, quand tu la payes pas, c'est toujours meilleur. Je vous le dis, hein, c'est toujours meilleur. Hein. Non, franchement, je la trouve fraîche. Je sais même pas c'est quoi le modèle. Après, bon, c'est pas du tout ma taille. Hein. Je vais pas vous mytho. Je nage dedans, hein. Vraiment. Je nage de fou dedans. Mais elle est gratuite. Donc, on est bien. On est bien, les gars. MDR, c'est une Dunklo. Ouais, Dunklo, mais je sais pas c'est une Dunklo quoi. Le rat. Mais je suis un big rat. Mais évidemment, les gars. Mais évidemment. En soi, on me l'envoie gratuitement. Moi, ça me va, hein. Merci beaucoup à celui qui m'a envoyé la paire. Il se reconnaîtra. Franchement, il est très généreux, les amis. Ça fait très plaisir. Enfin, bref. Je sais pas, vous, si vous avez passé un bon week-end. Moi, il était excellent. Excellent, ce week-end. Vous passez un bon week-end, le chat. Moi, il est excellent. Je passe un très bon week-end. Mais on n'est pas le week-end. On est mardi. Mais je suis fou. Ok, le pire c'est que le chat ils disent oui. Oui, non pas moi. Non mais les gars c'est pas le week-end en fait. Ne répondez pas, t'es bien soigné. Ouais franchement BG hein. BG les gars. C'était à qui la paire? C'était à qui la paire? Non je peux pas vous dire. Les gars je peux pas vous dire c'était à qui la paire à la base. Tout ce que je peux vous dire c'est que honnêtement cette paire à la base elle appartenait à un beau gosse. À la base c'était un beau gosse qui avait cette paire. Mais aujourd'hui c'est Bibi qui l'a. Bon, je pense que voilà, la paire va être mieux portée aujourd'hui. Disons les termes. Je te pêcherai bien. Mon ref, tu veux que j'appelle quelqu'un? Parce que là, je peux aller appeler quelqu'un. Il va falloir t'expliquer, hein. Mon ref. Hitman, on joue à Hitman, les gars, vous êtes prêts? Vous êtes chaud ou pas? Ça vous dit le chat? Comment ça, mon ref? Tu lances? On lance? Ouais, de ouf. Oui, c'est parti, le GP qui arrive. Ouais, les gars, là, je vais pas vous mytho. Je vais honnêtement, les prochains jours, là, ils vont être merveilleux pour moi. Jeudi, je vais au stade de France pour le match France-Irlande. Ensuite, vendredi, si tout se passe bien, peut-être que j'ai des places pour aller voir l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Et samedi, GP Explorer. C'est une dinguerie, frère. Honnêtement, c'est une dinguerie. En plus, moi, je fais rien, frère. Je suis là vraiment en mode... Je suis là pour regarder. Bref, les amis, j'espère que vous êtes chauds. J'espère que vous êtes prêts. On continue l'aventure Hitman. Je suis matrixé, sa mère de Hitman. Je surkiffe, frérot. Je surkiffe. On est bien. Je suis bien. Ah, mais là, frérot, on est plus que bien. Hitman 3, c'est parti. On va avoir des nouvelles missions à faire, etc. La dernière fois que j'ai joué à Hitman, honnêtement, je m'étais amélioré. Hein. La dernière fois que j'ai joué à Hitman, les gars, ça s'est vraiment bien passé. Hein. Tu connais Grounded? Ouais, je connais Grounded. Un jour, on jouera peut-être, les gars. Un jour, on jouera peut-être en live à Grounded. J'aimerais bien le faire en live. C'est parti. Normalement, si tout se passe bien, le jeu se lance. Sana-Duba25, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup, bienvenue. Bienvenue, les gars, de ceux qui sub et tout. Il y a le train de live, vous êtes des rois. Hein. Hop. Et bah parfait. Est-ce qu'il y a le son? Je crois qu'il y a le son. Let's go les frères! Depuis le temps que j'attendais ce jour, Hitman! Oh là 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 là, sa mère, je suis hype. Le chat, vous êtes sur une échelle de 1 à 10 là, vous êtes hype à combien? Ça, je suis hype à 10,5 sur 10. Ça aurait pu atteindre les 11, mais faut pas déconner. 10, 10, 9. Zéro, allez bah, mais pourquoi, mais, allez vous faire foutre. Pourquoi vous dites zéro? Pourquoi vous dites zéro? Mais quittez le live, je comprends pas. 10 000, 1 million. Oui bon, allez, après toujours vous abusez.
Il y en a, ils mettent des chiffres, ils savent même pas c'est combien. Ils mettent un chiffre, frérot, c'est infini. Allez, c'est Tipar. Nouveau mode de jeu freelance. Non, on va pas faire ça. Campagne. On continue la campagne, c'est ça, les gars. Si je dis pas de bêtises. Eh ben, allez, on continue la campagne. Entraînement prologue, on a fait. Histoire, ça, c'était bon. Tac, tac. Le monde de demain, on a fait. Une cage dorée, c'était au Maroc, on a fait. Eh ben, les gars, c'est parti. Notre prochaine mission s'intitule Club 27. Oh, je sens que je vais bien aimer, les gars, cette mission. Club 27, c'est parti. Ah, c'est à Bangkok, en Thaïlande. En Thaïlande, le plus beau pays du monde. Votre cible se nomme Jordan Cross. Ah, c'est un chanteur? Mais non, on doit fumer un chanteur. Oh, il cache un sombre secret. Mais frérot, faut aller dans Secret Story, là. Hein. Non, c'est lui qui l'a assassiné. Miss Highmore's death was a tragic accident, but her parents remain unconvinced. They firmly believe that Cross murdered her and only escaped justice due to the power and influence of his father, billionaire media mogul Thomas Cross. A secondary target, Ken. Ah, y a une deuxième cible. Ken Morgan. Wesh, on va fumer Ken. Non mais là Barbie elle va être dégoûtée les refs. And unscrupulous. Morgan was a key agent in the. Il a changé Ken, hein. Ah les gars, ça c'est pas un Ken qui donne envie de voilà. While the system may be powerless, ICA is anything but. Mission statut active, je vous laisse vous préparer. Et bah c'est parti les gars. Oh bordel, donc on a deux cibles. Sauf que déjà Jordan Cross, on n'est pas sûr qu'il soit coupable quand même, ils disent dans l'histoire. Hein. Mais bon, ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on prend comme costume décontracté? De toute façon, on a que ça. Équipement, pièce de monnaie, c'est trop bien. On va prendre de l'explosif pour une fois. Poison, j'ai la seringue. C'est vrai que j'ai la seringue sinon en poison. Non, on va prendre de l'explosif, les gars. Oh, explosif de lycéa à déclenchement de proximité. On va prendre ça. On va prendre l'explosif de lycéa. Allez, c'est parti, les gars. On a pris des pièces, un explosif. Et bah, let's go. Hein. Jouer, difficulté normale. Enfin, professionnel. Après, bon, voilà, on est des professionnels, les amis. Ah, c'est là. C'est parti le chat. Les gars, je vais avoir besoin de vous dans le chat. Hein. Il va falloir que vous m'aidiez. Hein. Jordan et Ken. Attends, on va les Ken. On va les Ken, Jordan et Ken. Ken Morgan a réservé la suite royale. Vous le trouverez à proximité du restaurant. Oh. Bizarrement, Jordan Cross semble ignorer tout de sa présence. Dans la suite du deuxième étage. Oh. Putain, mais toujours, ils ont des services de sécurité de zinzin, les mecs. Putain, mais il est jeune. L'âge auquel les rockstars meurent. Comment ça, les rockstars, elles meurent à 27 ans? Non, non, parce que moi, je me rappelle d'un son que j'ai fait, là, il y a pas longtemps, avec Inox. On peut dire que je suis une rockstar sur Insta. Non, 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 attendez, attendez, les gars. Dans le son, vous avez mal entendu, hein. C'est une hallucination auditive. C'est, les amis, je vous le dis, c'est une hallucination collective. Les amis, je suis pas une rockstar sur Insta, vous avez pas compris. Non, 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 je disais pas rockstar sur Insta, non, non. Non, les gars, vraiment pas, je disais pas ça. Hein. Ok, et bah, c'est parti. Putain, c'est une dinguerie. Non, le paysage, il est incroyable. Le paysage est trop stylé. Et bah, les gars, c'est parti. Club des 27. Putain, mais on doit le fumer, il a 27 ans, il est jeune quand même. Ange du soleil, merci pour ton sub, merci mon pote. Ok, c'est parti les gars. Hein. J'imagine que... Est-ce qu'on va pouvoir y aller là? Ah, on peut y aller. Sawadeka! Les gars, je parle thaïlandais un petit peu. Hein. Sawadeka! La tédom, ça veut dire bonjour en thaïlandais. Sawadeka! C'est bon les gars. C'est bon, je suis un infiltré. Alors, du coup, il y en a un qui est au restaurant là-bas. Attendez, elles sont où les cibles? Ok. Il est où l'autre? Attends, mais je vois aucune cible là. Oh, il est juste là. Mais mec, attends, mais il est tellement facile à tuer lui.
Quoique, il y a des gardes de partout. Voici Ken, la brique. Puissant avocat d'affaires. Ok, et l'autre, il est dans son studio d'enregistrement, normalement. Ouais, c'est ça, il est au deuxième étage. Je pense qu'il est au studio d'enregistrement. On va suivre un petit peu. On va suivre, les gars. Mais là, ça a l'air tellement facile à le tuer. Attendez, je vous reconnais. Ouais, 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 on vous appelle la brique, c'est ça? Kate McKenzie. I saw you at the Chelsea Whitmore trial. Your strategy was the brassiest thing I've ever seen. Faut que j'écoute la conversation. And framed her cheerleading rival, and you got her off on affluenza charges. Ah, c'est un avocat de fou en fait, lui. I see. You're not gonna give me the speech about how I'm part of the problem, about how you will never embrace the private. Ok, bon, il parle. Est-ce qu'il n'y a pas une intrigue quelque part, les gars? Parce que là, je pourrais essayer de me cacher dans un coin et le fumer, hein. Mais je pense que c'est trop cramé, les gars. Ou alors, faudrait que j'aille à l'étage. Là, il y a une fenêtre ouverte. Je vais à l'étage, fenêtre ouverte, pas balle dans la tête. Attends, mais ouais, j'avoue, je vais faire ça. Salut. Je peux y aller? Ah ouais, mais je peux me balader dans la villa normale, ok. Oh, il y a une intrigue en haut. Attendez, il y a une intrigue en haut. Je sais pas c'est quoi, je vais monter. Eh mais, voici mon prochain ex-mari. Mais, elle parle à moi, elle. Elle est malade. Pourquoi ils s'engueulent, eux? Ah, pardon, les gars. Non, je voulais pas vous couper dans votre conversation. Il parle de quoi? That's Abel De Silva. He's only one of the most awesome drummers on the New York indie scene. Ok, il parle d'un mec qui fait de la batterie. And Flat Earth Society. Yeah, I like Top 40. Anyway, De Silva's filling in for the drummer in Jordan Cross's band. Who? Ah, il y a un remplaçant. Il y a un batteur remplaçant. La maison de disque vient l'envoyer. Je l'ai accompagné au restaurant. Est-ce qu'on va devoir se faire passer pour lui? Est-ce qu'on va devoir se faire passer pour le remplaçant? Un batteur remplaçant, cela pourrait être votre quart d'heure de gloire 47. Ok! Est-ce qu'on se ferait pas passer pour le musicien? Est-ce qu'on regarde les autres intrigues, les gars? Mais c'est de la triche en vrai. Ah, mais je peux pas les regarder, je dois les débloquer. Ah, c'est pas mal ça. C'est bien qu'il faille les débloquer. On fait ça, les gars? Intéressant, le batteur habituel de The Clash a quitté brutalement le groupe. La maison de 10 vient de le renvoyer en remplaçant Abel De Silva, la valeur montante, qui attend actuellement dans le restaurant. Il se trouve que Jordan Cross n'a pas encore rencontré Monsieur Da Silva et vous lui ressemblez étrangement, 47. Mais ça ressemble trop à une mission qu'on a déjà faite. Je veux pas le faire. Ça ressemble trop à une mission qu'on a déjà faite, les gars. Oh, j'aime bien les petites musiques là, c'est apaisant. On va essayer de trouver une autre intrigue à un autre endroit. Bah attends. C'est quoi cette intrigue là-bas? Y'a un truc là-bas. C'est qui ça? Oh. C'est qui lui? En tout cas, il a la classe. Franchement, il a la classe. Oh, il est au bar. On va l'écouter. Bon, elle vient me chercher quand, Dexy? C'est qui lui? Ah, mais c'est Abel! C'est Abel De Silva! Non, mais attendez, moi je veux pas faire l'intrigue. Je veux pas faire cette intrigue. Ça ressemble trop à un truc qu'on a déjà fait, les gars. On va trouver une autre intrigue. Les modos, ils sont vifs, hein. Ah, Tigrou. Oh. Attends, déposer un message pour. C'est quoi là? Je suis à la réception. Eh, mais lui, il se balade trop en détente, frère. Hein. Après, il a quand même un garde du corps personnel derrière lui. Ça fait un peu flipper, quand même. Mais mec, imagine là. Si je suis à l'étage ou quoi, sur un balcon. Non, on peut pas monter. Et il y a forcément un moyen de le tuer facilement, lui. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a des gardes partout. How are you doing?
On va faire ça dans les règles de l'art, les gars. Je vais trouver une petite intrigue. Attends, tu veux dire que l'escroc s'est fait escroquer? J'essaye d'écouter un peu, de fouiller. Je peux rentrer là ou pas? Staff? J'ai pas le droit d'être là. Hein. Est-ce que je me fais passer pour un mec du staff là vite fait? C'est trop cramé, frère. Attends, en vrai. Putain, en fait, il faudrait un truc que je puisse lui balancer dans la tête. Comme ça, je l'assomme. J'ai rien à balancer, fais chier. Vas-y, je me barre, tant pis. Encore un coup des Illuminati. Mais qui parle d'Illuminati ici? Mais ils sont fous? C'est qui, eux? C'est juste des clients du restaurant? Mais y a pas grand-chose, hein? Les gars, j'essaye d'enquêter un petit peu. Il me faudrait un truc que je puisse balancer sur quelqu'un, là. T'avais juste à l'étrangler. Mais il y avait deux gardes pas si loin, les gars. Je vous jure, il y avait deux gardes. C'est quoi ça? Je peux prendre la bouteille? Ah, empoisonné, merde. Y a pas d'intrigue là quelque part? Y a pas un mec qui... Peut-être là-bas aussi. Ça se trouve, il y a un invité ultra spécial qui va arriver en bateau ou j'en sais rien. C'est à qui les valises? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien là-bas. Mr. Reaper. Culé avec tes bombes. Ouais, mais faut pas les tuer de manière trop cramée. Pyrolap, merci pour tes subs, mon ref. Merci beaucoup. Oh là là, mec, c'est magnifique, gros. J'ai envie de retourner en Thaïlande. Ce jeu, il me fait voyager, j'adore. C'est qui, lui? Ken Morgan, de nouveau, des messages? Putain, il est de retour, là. Voyons ça, non. Toujours rien, monsieur Morgan. Mais il veut des messages de qui? Ah, il attend que sa suite soit prête. Le message est presque terminé. Ah, il va aller dans sa suite après, ok. Intéressant. J'imagine que là, je vais pas pouvoir passer. Private event. Faut que j'ai un accès pour aller à l'event. Ici, je peux y aller? Attends, il y avait des étages. Premier étage, les loges. Deuxième étage, les chambres. Troisième étage, penthouse queen. Venez, on va au troisième étage. Ça, c'est quoi? C'est un truc de staff? Y a pas un mec du staff là? Oh merde, y a trop de gens. Comment ils connaissent mon nom? Ils m'appellent tous Mr. Reaper. Comment ils connaissent? Mais là, il doit être pas loin, le mec. Ah, il est loin. Ah, j'ai pas le droit d'aller là-bas. Oh, ouais, comment il parle mal, lui? Eh, mais je vais les fumer, hein. Les deux, je vous mets une balle dans la tête, ni vu ni connu, hein. Non, en vrai, faut essayer de tuer personne. Putain. Je crois que je vais suivre le mec. Il fait quoi, lui? Le mec du staff, je vais me déguiser en lui. Faut que je me déguise en... Mais attends, mais je l'ai déjà... Pourquoi bug? Oula, le bug. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Il s'est passé quoi? MDR, le bug. Wesh, le bug. Ok, désolé, les gars, s'il y a eu un bug. Mais je crois que c'est bon, c'est passé. Ok, je vais suivre lui. Je vais suivre le mec du staff pour essayer d'aller au troisième étage. Merde, mais ils me font chier, eux. Putain, l'autre, il est là-bas. Il est en face dans sa chambre tout seul. Merde. L'extincteur, je suis obligé de le garder dans les mains. Fais chier. Oh, examiner. Note de la directrice. Oh! Attends, j'ai trouvé un truc, les gars. Note de la directrice. Occupant chambre 207.
Une note de la directrice de l'hôtel. Madame Carrington, de la 207, est parfois un peu pénible. Assurez-vous que le bar contient une bonne réserve de pinot et que la ventilation du salon fumeur soit réglée au maximum. Frappez bien deux fois avant d'entrer dans sa suite, car elle a souvent de la compagnie masculine. Et une dernière chose, elle a demandé un flacon de crème solaire enrichi en vitamine E pour protéger ses tatouages du soleil. Apportez deux flacons dans sa chambre. Est-ce qu'on peut pas faire un bail avec ça, les gars? Non, mais il y a forcément un truc à faire avec ça, non? On va dans la chambre 200... En fait, faut aller dans la chambre 207 déguisé en mec de l'hôtel. C'est quoi, ça? Ah, faut la carte pour... Ah, c'est les chambres! Mais elle est là, la chambre 207! Putain, elle est là, la chambre 207. Déverrouiller carte d'accès manquante. Merde, faudrait trouver une carte d'accès. Les gars, je sais où on va trouver ça. Elle a des tatouages, elle. C'est pas elle, la meuf de la chambre 207? C'est quoi, ça? C'est une chambre? Attends, mais c'est... Ah non, c'est le lounge. Il y a peut-être des gens importants ici, non? Il y a pas une carte d'accès, là? Eh, il y a pas grand-chose, hein? On n'a pas beaucoup d'indices, les refs, hein? Attends, il est tout seul, lui? Il est pas tout seul. T'as pas une carte d'accès, toi? Ici, c'est là où il y a le staff. Ah non, ça... C'est encore le lounge. Il est où, le staff? Attends, mais là, elle est toute seule. Déclencher l'alarme incendie. Please, just go away. Est-ce que je la maîtrise? Bien sûr que je la maîtrise. Oh. Merde. Ah mais je peux pas. Témoin inconscient, c'est quoi ça? Cible hors d'atteinte. Merde, ça a lancé une alarme. Mais je m'attendais pas à ça, moi, les gars. C'est bon, ils savent pas que c'est moi. Ok, ils savent pas que c'est moi. Merde. Je savais pas que ça avait activé une alarme. Il y a des mecs du staff là-dedans. Putain, faudrait que j'assomme juste un mec du staff. Faut que je me déguise en un mec du staff. Bordel! Oh, pourchassé? Par qui? Je suis pas pourchassé. Ok, je dois faire attention au mec en blanc. Par contre, je crois que du coup, la meuf, du coup, elle sait. Je peux plus la recroiser. Parce que la meuf, elle va se rappeler de moi. Oh, mais attends. C'est le batteur, lui. Eh, les gars, pour l'instant, la mission, elle commence pas très bien. Je peux prendre le couteau? Ils vont prendre pour un mec bizarre si je prends le couteau devant eux, non? Peut-être une idée. Ah, il y a eu du bruit, les gars. Hop là, ni... Oh, oh, oh. Ni vu ni connu. Merde. Ah, oh, fais chier, je suis mort. Oh non, je suis mort, les refs. Je peux pas descendre? Je peux pas descendre? Oh, ah. Courez. Bon, les gars, c'était une mission catastrophique. Ça a très mal commencé. Recommençons, les gars. C'est pas grave. Honnêtement, ça a très mal commencé. Merci beaucoup, Pierrot Lab, pour tous les subs offerts. Floba, merci beaucoup, les gars. Ken Morgan has booked the Queen Suite. T'es nul, fallait pas activer l'alarme. Mais j'ai pas fait exprès de l'activer. Oddly enough, Jordan Cross seems completely unaware of his presence. Cross and the class have set up a recording studio in the Emperor's suite on the third floor. Ouais, j'étais mort, là. Private security around Cross and his entourage is highly capable. Still, I'm sure you can find your way into his inner circle. On va chercher, les gars. Il y a forcément un trou, comment on appelle ça, une intrigue à trouver, c'est certain. Les rockstars meurent. Oh, frérot, y a pas de rockstar qui meurt ici. Moi, je te le dis. Non, non, les gars. Mais moi, je suis pas une rockstar. Moi, je suis une pop star sur Insta. Ouais, je suis une pop star. Wouhou! Moi, le rock, ça me dit rien, les gars. C'est pas trop mon style musical, hein.
Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Les amis, c'est parti, enquêtons. Du coup, il y a le musicien, il est au deuxième étage. L'autre, il est là-bas, il est au restaurant, comme elle nous a dit la meuf. Oh, attendez, il y a une intrigue ici. Du coup, je suis allé chercher ce colis pour Wes. Écoutons les gars, il y a un truc à faire ici. Il est encore avec cette actrice. Je l'ai vu se faufiler dans sa chambre, le petit coquin. Bordel. J'espérais que le colis allait se perdre. Je comprends pas trop de quoi il parle. D'après lui, c'est le meilleur micro des années 60. Attendez les gars, j'ai l'intrigue. Amitié électrique. Oh, je sens que j'ai bien aimé cette intrigue. Normalement, il y a un jardin de la maison. Ouais, chimère pour le sub. Ah, bienvenue, safe. Bon, arrête de parler, elle me rend fou la meuf à parler en anglais, on comprend rien, je ne sais pas parler anglais, meuf. Bon, un micro défectueux, un accident est si vite arrivé. Wes Linson, le producteur, ok donc le producteur de la Rockstar là, a commandé un micro vintage Branson MD2. Ce modèle rare a été retiré du commerce dans les années 60 après avoir provoqué plusieurs électrocutions fatales. Apparemment, un défaut de production peut provoquer un court-circuit du MD2 à haute tension. Intéressant. Je vous suggère de retrouver le technicien qui a récupéré le micro. D'après ses collègues, ce Julian fréquente Jackie Carrington, une ancienne star de sitcom qui séjourne dans la chambre 207. Ok. C'est parti les gars, venez on prend l'intrigue hein. Accéder à la suite de Jackie, chambre 207. Ok. Et bah allez, on doit s'incruster chambre 207 les gars. C'est parti hein, on va voir. Putain, c'est le mec qui doit tuer lui. J'ai toujours rien, je suis désolé monsieur Morgan. Gros, il se balade comme ça en liberté, j'ai juré, il a l'air tellement simple à tuer. Alors attends. À gauche, il y a des gardes, je vais pas pouvoir passer. Ici. Troisième étage, deuxième étage, room 205-208. Ok, faut aller au deuxième étage, les gars. Oh. Attendez, quoique. Pourquoi ? C'est qui elle ? Oh, voici mon prochain ex-mari. Elle est bizarre, elle. Tu veux me pécho ? Mon petit crâne chauve, il t'excite ? Bizarre, elle, hein ? Bon. Alors. Ah non, je dois aller à l'étage. Si, si, je dois bien aller à l'étage, du coup. Les gars, je dois bien aller, chambre 207, hein. C'est là-bas. Bah attends, mais le problème, c'est que je vais pas pouvoir rentrer, là. Il me faut la clé, non? Faut que je trouve une clé. Déverrouiller. Je peux rien faire. Faut que je trouve une clé, les gars. Carte d'accès manquante. Faut que je déverrouille. Où est-ce que je peux avoir la carte d'accès de la chambre? Peut-être à l'accueil? Ah mais attendez, comme j'ai le nom. Mais oui, en fait, faut que j'aille à l'accueil. Comme j'ai le nom de Jackie, là. Je vais à l'accueil, je dis, ouais, bonjour, je suis le mari de Jackie. Hop, hop, il me donne la clé. Et je fume Jackie, hein. Je peux pas faire ça, les gars. Parler réceptionniste. Bonjour, c'est pour un check-in. Je m'appelle Tobias Reaper. C'est bon, ça. Voici votre clé. Ah. Non, chambre 205. Mais attends, mais c'est trop bien fait, gros. Il va m'amener à la chambre 205. Après vous. Je vous en prie, monsieur, par ici. Mais c'est trop stylé, gros. Mais j'ai l'impression d'être dans la vraie vie, là. J'ai l'impression de revivre mes vacances l'année dernière en Thaïlande. Putain, par contre, les gars, fait chier. J'ai eu la carte d'accès de la chambre 205, en fait. Moi, je me suis fait passer pour un client de l'hôtel lambda. Faut peut-être trouver une femme de ménage ou quoi. Peut-être le réceptionniste. Le réceptionniste, il a pas les clés. All right there. Madame Mukjai, Thomas Cross a construit. Attends, mais qui parle? Ok, bah il a fini de m'accompagner en fait.
Y'a pas une femme de ménage quelque part, les gars? Elle a pas de carte d'accès. Elle est où, la chambre 205? 207, c'est là. 205, putain, elle est loin en plus, la chambre 205. Oh, attends, attends, attends. Y'a des notes. Oh, note de la directrice. Intéressant, les gars. Une note de la directrice de l'hôtel. Nous avons l'honneur de recevoir le jeune Monsieur Cross et son entourage qui occuperont la suite impériale pour plusieurs semaines. Donc ça, c'est le mec que je dois tuer. Pour cette raison, l'aile A sera fermée au public. Seul le personnel de l'hôtel et l'entourage de Monsieur Cross sont autorisés à y rentrer. Tout manquement entraînera un licenciement immédiat. Ok, donc soit faut que je me fasse passer pour le personnel de l'hôtel ou un proche de Monsieur Cross. Ok. Bon. Déverrouillé. Je vais rentrer dans ma chambre, les gars. Il y a peut-être des trucs à trouver. Non, mais c'est une chambre d'hôtel. T'as pas rentré la chambre de fou, frère. Mais frérot, mais ça y est. Mais c'est fini, tueur à gages, frère. J'ai du champagne. J'ai une suite avec une télé de fou. Oh, je peux activer la télé. Oh, on dirait les vraies télés dans les chambres d'hôtel. Oh ouais, non, j'éteins. L'enfer. Ouais, je dormais gros, je vais prendre un bain. Mais la tête de Wham. Faire déborder l'évier, ok. Je peux me peser, je fais combien de kilos? 47? Wesh, je suis léger de fou. Je fais 47 kilos, les gars. Putain, je suis léger. Bah, par contre, c'est trop bien fait. Dès que je monte sur la balance, ça me pèse. Bon, je pense qu'en vrai de vrai, il n'y a rien à foutre dans cette chambre d'hôtel. Hop, le bureau. Prendre. Oh, j'ai un coup de papier. C'est quoi ce truc de fou? J'ai juré, ils donnent pas ça normalement dans les chambres d'hôtel, hein. Moi, j'ai jamais eu ça, frérot, hein. On n'a pas les mêmes chambres d'hôtel, toi et moi, hein. Putain, le lit de fou, frère. Frérot, un lit comme ça pour dormir tout seul, non, la honte. Non, 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 frère. Je vais me trouver une meuf, là, hein. Y'a pas une piscine, ici? On va à la piscine, frérot. Trouver une meuf, moi, hein. Non, attendez, par contre, les gars, la mission. Là, y'a des... Oh, y'a des cadeaux. Déverrouiller carte d'accès manquante. Putain, comment je fais? Accéder à la suite de Jackie, chambre 207. C'est sûr, faut que je me... Se camoufler en personnel hôtelier. Faut que je me camoufle en quelqu'un du personnel. Peut-être quand je vole la tenue d'un mec du personnel. Peut-être que... Que du coup, j'ai la clé, genre. Attendez. Putain, mais il y a toujours des gens à côté. Bonjour, Sawadeka. Sawadeka, Sawadeka. Les gars, je parle thaïlandais. Sawadeka. Staff. Est-ce que je peux pas essayer de l'assommer, lui? Oh, attends. Wesh, il y avait un mec qui avait rentré ici. Ah, mais c'est les cuistots ici. Merde. Ça sert à quoi que je m'incruste en cuistot? Ça sert à rien, en vrai. Putain, après, je peux me cacher là. Dès qu'il y a un mec, il arrive. Passe par le balcon de ta chambre. Putain, mais eux, ils sont à deux. Fais chier. Je peux passer par le balcon de ma chambre, les gars? Vous croyez? Pourquoi j'ai l'impression que c'est elle, là, Jackie, de la meuf de la chambre 207? 100% c'est elle, la meuf de la chambre 207. C'est celle qui a voulu me pécho. C'est celle qui a kiffé le gros crâne de GMK, wesh. C'est ça? Mais attends, mais voilà, je vais m'introduire. J'ai juré, je la suis. Merde. Elle a même pas vu. Elle a même pas vu. Rick.
récupérer le micro. Wesh ! Pourquoi y'a un mec allongé par terre ? What ? Activer radio réveil. Ok, je peux peut-être l'attirer, les gars. Oh, la dinguerie, frère ! Je l'ai suivi comme si dans un été. C'est quoi, ça ? Activer radio. Se déguiser équipe d'enregistrement. Oh ! Oh, la dingue ! Voilà ! Je suis déguisé comme un mec de l'équipe. Pente, il est... Oh, merde, elle arrive. Ne dis pas qu'elle va dans la salle de bain. Julianne, mon chéri, je dois m'absenter un instant, mais ne t'en va pas. Je n'ai pas terminé avec toi. Tu peux utiliser ma serviette si tu veux. Comment ça, j'en ai pas terminé avec toi? Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais elle est bizarre. Et du coup, il y a un... Mais what? Attends. Il a l'air de dormir. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fout en calbar, lui? Il ronfle. Mais qu'est-ce qu'il fout en calbar? C'est quoi le micro, les gars? Mais il est où, le micro? Récupérez le micro. Eh, hey, Julianne, tu fais des trucs bizarres, Julianne, hein? Prendre pièce de monnaie. Putain, mais je m'en fous de l'argent. Bon, je veux le micro. Oh, prends le micro. Let's go. Wesh, il ronfle. La dinguerie, il ronfle. Wesh. Attends, parce qu'il y a quand même une pièce de monnaie. Hop. J'ai dit je m'en fous de l'argent, mais quand même. Finalement, je me suis remis en question. J'ai revu mon sens des priorités. Prendre club de golf. Non, on va éviter, les gars. Prendre pièce de monnaie. Mais ouais, j'ai la thune ici. Putain, mais ils sont riches. J'ai 7 euros, les gars. Vous êtes Ken Morgan. Qui parle? C'est bon, il n'y a personne, les gars. Hop là. Ni vu, ni connu. Les gars, l'intrusion dans la chambre 207 a été magnifique. Hein. J'ai juste suivi la meuf. Honnêtement, easy. Easy peasy. Alors attendez, allez au studio d'enregistrement maintenant. Ce qui est bien là, c'est que je suis déguisé comme un mec du... Je suis déguisé comme un mec du studio. Hello! Bonjour madame! Vous faites pas du tout des trucs bizarres, vous, dans votre chambre, hein? Y a pas du tout un mec en calbar qui dort, hein? Attends, mais quand elle disait, j'en ai pas fini avec toi. Mais je crois que j'ai compris. Si tu vois ce que je veux dire. Bon, alors. J'ai rien à voir là-dedans. Moi, je voulais juste un micro, moi, à la base. Moi, là-bas, je voulais juste un micro. Bon. D'ailleurs, tu fais 47 kilos comme agent 47. Ah, j'avoue, je fais 47 kilos, je suis l'agent 47. Oh, le easter egg de fou. Oh, ils me disent bonjour. Oh, je peux passer ici. Alors, normalement, regardez, private event, no access. C'est bon, je peux passer ici, les gars. Magnifique. Ah ouais. Oh merde, attends. Lui, il peut me reconnaître, lui. Ok. Il est où, le studio d'enregistrement, là? Il est là-haut. Riche. Attends, le vieux Cross est plus que riche. Okay, on les laisse parler, les gars. C'est qui, eux? Wesh, mais ils ont foutu le gars, wesh, dans l'hôtel. Non, mais c'est la honte, là, les gars. Non, mais c'est trop le cliché des Américains, eux. Oh, attends, je suis en train de me faire cramer. Putain, lui, il peut me cramer. Oh, merde. Il est où, le studio d'enregistrement? Il est encore là-haut. Est-ce que je peux monter encore ou faut que je me redéguise? How you doing? Non, je peux monter. Oh, magnifique! Magnifique! Bon, je dois faire gaffe, il y a des points blancs de partout. Lui, faut pas qu'il se retourne. How are you, sir? Ça va, au calme. Au calme, Zer. Oh, je suis dans le studio. Wow, le studio de fou, mais alors lui, c'est une vraie rockstar. Hein. Alors lui.
J'ai le micro, chef. J'ai ramené le nouveau micro. Ah, il risquait pas d'enregistrer grand-chose. Ah, il est occupé? C'est prêt, on enregistre. Faut que je te parle, mec. Cool, installe-le dans la cabine à la place de l'autre, ok? Putain, je suis juste... Oh, il est là! Ah, mais je croyais que c'était le guitariste. C'est lui. C'est lui que je dois fumer, elle est là, la cible. Mais attendez, parce que là, ça a pas l'air si simple. Mais si, bah évidemment que si, j'ai compris! Oh putain. Mais je viens de comprendre. Faut que j'installe dissimuler objet. Faut juste que dans le micro, je mette une... Je mette la bombe là. Échanger avec le micro Branson. Faut que je mette une bombe. Les gars, je me suis trop bien équipé. En m'équipant, j'avais pris une bombe télécommandée. Attendez que la session d'enregistrement commence. Mais du coup, le micro, il va exploser lui-même. Parce que apparemment, ça disait que ces micros-là, ils avaient un problème de réglage et ils pouvaient exploser s'ils étaient mal réglés. Donc je crois qu'il n'y a même pas besoin de bombe, hein. Est-ce que je tente une bombe quand même? Je pense pas. Attendez que la session d'enregistrement commence. Non, je crois qu'il va s'électrocuter en fait, les gars. Le micro, il a un défaut, il va s'électrocuter avec. Faut juste que j'attende là, faut juste que je me fasse discret. Ah, c'est là. Augmenter la tension. Okay. Mixer une parfaite mélodie. Commencer à mixer, ok. Wesh. Déplacer la... Attendez, mais je suis pas mix. Wesh. Je deviens un G-son, les gars. Je deviens un G-son, let's go. S.O. le flemme. Déplacer la sélection. Je sais pas faire, moi. Bien vu, une piste de réglée, plus que 3. Oh. Ah mais si, j'ai compris, les gars. En fait, ok. Peut-être celle d'en bas. Ok. Les gars, je suis en trombo DJ. Merde, c'est pas bon. Let's go. J'ai terminé de mixer. Bien joué, 47. Avec quelques ajustements supplémentaires. Que quelqu'un ait cherché Jordan. Voilà ce qu'il voulait. Oh, c'est bon, les gars. J'ai fait la prod. J'ai fait la prod. S.O. le flemme. C'est moi, les gars. Zekpi. C'est moi, hein. Là, on va enregistrer Fade Up, là, les gars. Et du coup, normalement... Aucun buff en cours. C'est prêt, on enregistre. Elle est où, ma cible, là? Ok, donc là, normalement, il devrait aller chanter. Et si je dis pas de conneries, les gars, il va falloir que je me barre, hein. J'aimerais bien quand même le voir exploser. Ouais, c'est bon. Allez, on enregistre tout le morceau. Et il a été convaincu par ma prod. Mais oh, hey, les gars, c'est bon. Je dois pas être tueur à gage, moi, à la base. Je dois être DJ, hein. Faudrait peut-être que je me barre, les gars, parce qu'ils vont me cramer que c'est moi, là. Faudrait que je me déguise en quelqu'un d'autre. Ils vont cramer que c'est moi le technicien qui a mis le micro. Ils vont m'insulter. Je me prépare à me barrer, les gars. Vous êtes prêts? On va le voir se faire électrocuter. J'ai augmenté la tension et tout, normalement. Bah alors? Me dis pas qu'il va rien se passer. Pourquoi il chante pas? Mais non, mais dites pas, je suis fail. J'aurais peut-être dû vraiment mettre la... Target down. Next up, Ken Morgan. Oh. Oh, la dinguerie! Oh, j'aime bien ce qui vient de se passer là! Allez hop, ni vu ni connu, moi je suis au courant de rien, les gars. Moi je suis au courant de rien, je vais retourner dans la chambre 207 là. Je vais aller voir. Il m'a bien analysé lui, hein. Putain, il fait chier. Attends, je vais lui lancer une petite pièce lui. Lui il aime bien l'argent, ça se voit. Allez hop,
Ni vu ni connu. Ni vu ni connu, les gars. Si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas de l'intrusion parfaite. Ok, bah j'ai plus qu'à éliminer Ken Morgan. Il est où Ken Morgan? Il est en bas, mais lui il est facile à tuer, la vérité. Les gars, je sais ce que je vais faire. J'ai juré, j'ai la meilleure strat. Je vais aller dans ma chambre. Si dans ma chambre j'ai un balcon ou j'en sais rien, petit pistolet silencieux. Si j'ai la visu sur lui, bam, balle dans la tête. Attends, elle est où ma chambre? Non mais je sais pas si je vais pouvoir le voir depuis ma chambre en fait. Intrusion? Mais je suis pas en intrusion du tout. Je suis dans ma chambre. Ah mais c'est vrai que je suis habillé comme un mec qui est pas censé avoir accès à cette chambre. Attendez, il est où le mec? Elle est où mon autre cible? Ah ouais, non, il est pas là du tout. Merde. Comment on peut l'exécuter lui sans que je sois cramé? Là, ce qui est bien, les gars, c'est que j'ai fait aucune victime. J'ai assommé personne, j'ai fait ni vu ni connu, frère. Faut trop que je fasse la même chose là avec le mec. Non, me dis pas que je peux faire tomber les noix de coco. Mais non. 100% je peux faire tomber les noix de coco. Et ça tue quelqu'un, genre. Empoisonné. Oh mec, ça serait lourd. Ça serait lourd, il passe sous une noix de coco. Bam, petite balle, ça tombe. Merde, merde, merde. Pourquoi il a un point blanc, lui? Faudrait peut-être que je me redéguise comme j'étais à la base, là. Fait chier, j'aime pas être habillé comme ça, là. J'ai l'impression que je suis cramé. Comment je peux le tuer, les gars, Ken Morgan? Il a pas une intrigue ou quoi? Parce qu'en soi... Si je me cache bien, je lui mets une balle et c'est ni vu ni connu, hein. Mais je trouve pas ça beau comme kill. You with the crew? Okay, cool, man. Prends un explosif. C'est vrai que sinon, j'ai un explosif télécommandé, les gars. Pousse-le dans l'eau, mais il a un garde du corps, en fait. Grand-mère, là, je le vois depuis mon balcon. C'était là. C'était là. Non. J'en suis quasi sûr, les gars. Attendez, faut que je cavale. Si j'ai le temps. Là, je vous jure, je crois que je pouvais le voir depuis mon balcon. Pour l'instant, il bouge pas. Intrusion, je m'en fous. Ouais. Et là, les gars. Putain, bon, je vais devoir pas le louper. Hein. S'appuyer? Non. Il va falloir que je le tue d'ici, les gars. Attends, mais c'est technique, hein. Ouais, il y a des points blancs partout. En fait, il y a une feuille, fait chier. Vous savez, il me faudrait quel balcon? Le balcon de la chambre 207. Ouais, bah tout le chat, vous me le dites. C'est ré... Oh, attends, il bouge. On n'a rien vu. Les refs, on n'a rien vu du tout. Oh, la vieille balle de merde. Le flop. Ah non, mais là, c'est même plus un flop, là, les gars. Là, ça fait mal. La gouttière. Est-ce que je retente une intrusion dans la chambre 207? Merde, putain, pourquoi je suis sorti? Il y en a, vous me dites, je peux peut-être m'incruster par le balcon. Mais non, les gars, c'est impossible. Franchir? Ça sert à rien à ce que je fais. Oh! Je peux pas passer. Merde. Ah, je peux monter?
Attends, mais c'est trop cramé là ce que je fais. Pourquoi je fais ça? Les gars, je sais pas ce que je fais, mais j'ai envie de voir jusqu'à où ça va mener. Je suis dans la chambre de qui? Ah merde. Ah mais je suis là où j'étais tout à l'heure en fait, j'ai le droit de... Ah non, 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 j'ai pas le droit. Les gars, je me tire une balle dans le pied là, ça sert à rien ce que je fais. Je peux pas aller sur le toit. Oh mais j'aurais pu tellement le tuer d'ici. C'est ici qu'il fallait que je le fume. Va sur le toit. Je peux aller sur le toit, vous croyez? Ok les gars, je sais ce qu'on va faire. Elle est toute seule ou pas? Toi ma grande. Désolé hein, mais tu vas être ma cible. Ah mais c'est une meuf. C'est une meuf, ça sert à rien, je peux pas me déguiser en elle. Là-bas, il y a un mec tout seul. Oh merde. Va venir quand même. Fuck. Dégagez. Putain, elle a dit, est-ce que tu peux aller voir? Fais chier les gars, cuisine de Morgane? Mais non! Attends, mais il va peut-être venir ici au bout d'un moment. Non? Trop dangereux. J'allais dire, j'essaye d'en assommer un. Par la gouttière? Déguise-toi en personnel, il y a une intrigue pour le tuer dans sa suite. Oh, ça peut être stylé quand même, hein. Mais les gars, vous êtes sûrs on peut passer sur le toit par la gouttière? Attends, le mec, il est là. Merde, merde. Weird. La meuf, elle va aller voir. Et toi, mon pote, tu vas aller voir ici. Non, je suis ramé. Oh, le con. Oh le con, j'ai trop le seum. Oh j'ai trop le seum. Oh j'ai trop le seum. J'ai trop le seum, je me suis cramé comme une merde. Et voilà, t'es nul. Putain, mais vous êtes sûr par le toit on peut? Mais on peut pas. Non les gars, je peux pas monter au toit avec la gouttière. Attendez, en vrai, j'ai juré, je vais charger à plus tôt. Je peux charger jusqu'où là? 22h11. Ah, mais c'est il y a trop longtemps! Attends, quoique là, j'étais dans la cabine et tout. Je peux charger ça, les gars! Je vais charger 22h11. J'ai pas envie de continuer parce que là, je me suis fait cramer sur une piste nulle. 22h11, c'est bon. Vas-y, vas-y, on va faire ça. C'est parti. Lionel! Lyon 9L. Bon, je pense que c'est Lionel. Merci beaucoup pour ton sub prime, frérot. Bienvenue. Bienvenue, mon ref. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Vous savez quoi? On va faire l'intrigue. Parce que là, je pourrais aller au troisième étage et le fumer. Mais honnêtement, c'est trop facile. Putain, pourquoi il me crame, lui? C'est trop facile. Parce que là, je sais ce qu'il va faire. Apparemment, il y a une intrigue où je peux le tuer dans sa suite. En fait, je pense savoir. Comme lui, il attend sa chambre. Faudrait que je me déguise en quelqu'un du personnel et que j'aille le voir comme si... Comme si sa chambre, elle était prête. Ouais, mais j'ai aucune idée de... Putain, mais les mecs du personnel, ils sont trop protégés, hein, la vérité. Hein. Eux, ils vont où les deux, là? Est-ce que ce serait pas ici le bon moment? Je vais 100% vers de la merde, les gars, mais je tente. Ah, je suis pourchassé. Ouais, ça sert à rien. Ok.
Ok, on charge. Allez hop. C'était la pire idée. C'était la pire idée, le chat. Niquer un mec au milieu du couloir, mauvaise idée. C'est, ça paraît logique, hein, pourtant, mais... MDR. Putain, j'ai seum. Balcon et snipe-le. Sinon, je fais ça, hein. Y'a un monde, hein. Balcon. Non, en vrai, j'ai envie de faire l'intrigue. Les gars, comment je peux activer l'intrigue ou je le poursuis dans sa suite? J'aimerais bien activer l'intrigue en vrai de vrai. Parce que là, le balcon, on l'a déjà fait. On sait, en fait. Je vais monter sur le balcon, je l'attends au bon moment, bam, balle dans la tête, c'est fini. Sinon, j'ai l'explosif. Fais le balcon. Balcon 207. Fais simple pour l'instant, t'es novice. Tu peux choisir les intrigues dans le menu. Non, je peux pas ça. Je peux pas les activer. Aux frais de la maison. La preuve. Tic-tuc. Tic-tuc. C'est quoi ce truc de fou? Il y a une intrigue, tic-tac. Un tic-tuc? C'est quoi ce truc? Je suis curieux. Ah mais si, je peux l'activer. Mais je peux activer l'intrigue sans même l'avoir découverte. Ah mais c'est trop bien. Oh, j'ai envie de faire ça. Tic-tuc. J'ai envie de faire l'intrigue du tic-tuc, les gars. Allez, hop. C'est parti. Ah, j'ai activé. Ok, du coup là je vois une ampoule. Faut que j'aille là-bas. Parler Madame Mukjai. C'est qui? Pourquoi je peux lui parler? Yes, is everything? Are you just trying to get attention? Putain, je me suis mis trop près d'elle, ça l'a embrouillé. Yes, is everything to your satisfaction? Est-ce que tout est à votre convenance? Ah, mais c'est la directrice de l'hôtel. Ouais, tout va bien, madame, merci beaucoup. C'est la directrice de l'hôtel. Attendez là, faut que j'aille où? Ça a l'air d'être un espèce de jardin pour aller là-bas, non? Mais je peux pas y aller. Ah, c'est derrière. Il y a une intrigue derrière. Comment je peux y aller, les gars, par ici? Non? Ah, par là. Merde, faut que je me déguise en mec du staff pour passer là, non? Ouais, intrusion. Ok. Faut que j'arrive à me déguiser en mec du staff. Il y a une intrigue derrière, les gars, avec le tic-tuc. Le tuc-tuc. Je vais essayer de me déguiser en mec du staff. Simer Xari pour les conseils, hein. Mais je vais essayer de d'un peu suivre mon intuition. Comment je peux fumer un mec là? Putain, mais les mecs du staff quand même, à chaque fois ils sont à des endroits trop visibles. Ou un jardinier. Ça avait l'air d'être des mecs avec des chapeaux là-bas. Faut que j'en fume un d'entre eux en fait. Il fait quoi le bruit? Il fait des selfies. Ah mais c'est un mec de l'équipe. Putain, ils sont cramés aussi, les jardiniers, un peu. C'est pas la map la plus simple, en vrai. Ouais, elle a pas l'air facile, hein. Après, je pourrais le tuer facile, mais... Vas-y, j'ai envie de faire une intrigue. Ici, y a trop de monde, ça sert à rien. Je crois que je vais passer pour mon balcon, hein. Faut que j'arrive à m'intégrer là-bas, là. Avec une noix de coco. Mais une noix de coco sur un inconnu, ça voudrait dire que je tue un inconnu. Ou alors, faut réussir à ramener Ken Morgan sous une noix de coco, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr de pouvoir réussir ça. Alors, attendez, si je vais dans ma chambre... Attends, je vais me faire cramer. Si je vais dans ma chambre, le balcon... Elle est où, l'intrigue? Elle est où, l'intrigue? Non, mais elle est méga loin. Après, là, je peux descendre dans les jardins.
C'est quoi je vais tenter? Allez, hop. Oh merde. Peut-être pas le bon moment pour descendre là. On va pas se mytho. Pas le bon moment pour descendre là les gars. Hein. Je pense qu'il va tourner la tête mon ref. Je vais rien comprendre. Il y a deux points là-bas. Faut que j'arrive à m'incruster dans le jardin et après de me déguiser en mec du staff. Oh là là, c'est parfait. Ok. Ouais, je fais partie du groupe, ouais. Ok. Après là, je suis ni vu ni connu en vrai. Les gens ils pensent que je fais... C'est bon en fait, je suis rentré donc les gens ils s'inquiètent même pas. Ah mais c'est parfait. Je suis ni vu ni connu frérot. Hop hop hop, mais c'est magnifique ça. Ah intrusion, merde. Merde, y'a qui a le droit d'aller là-bas? Putain c'est les gardes ou les mecs du personnel? Y'a des mecs partout bordel. Alors attendez. Là ça fait bronzette, eh hey, mais ça... Tranquille ici, c'est chill hein. Déverrouiller, carte d'accès. Lui, ça sert à rien, c'est pas un mec du personnel. Et eux. Ils sont deux. C'est quoi? Oh, il y a un journal. Ah, se camoufler en client, d'accord. Si j'active le robinet. Est-ce que ça peut pas attirer quelqu'un? Oh. Ok, lui il bug. Est-ce que je peux fumer lui? C'est dangereux ou pas, vous croyez? Oh, c'est passé. Oh, c'est passé. J'aurais peut-être dû cacher le corps. Y'a pas d'endroit pour cacher le corps, les gars. Pour moi, là, la meilleure strat, c'est de pas cacher le corps. J'aurais peut-être dû cacher le corps, mais... Je vois pas d'endroit où je peux cacher le corps, en fait. Merde, les gardes, je dois faire attention. Nickel, ni vu ni connu. Oh là là, magnifique, les gars. Dans l'abri, ouais, mais il y avait deux mecs dans l'abri. C'était trop dangereux. Au pire, les gars, ils vont trouver le corps. C'est bon, hein, le mec, il est à poil. Personne sait c'est qui, hein. Il a même pas eu le temps de me voir. Wow. Et bah allez, c'est parti. Eh bien, quand tu as une idée en tête, toi. J'ai une intrigue, les gars. Écoute, je peux le réparer. Je sens que j'approche. Faut juste que... Bordel! Il veut que je l'aide? Réparer manquant clé anglaise. Il va falloir que je trouve une clé anglaise pour l'aider à la réparer, je suis sûr. Un client, le riche avocat. Donc ça, c'est Ken Morgan. Et dans une suite royale. Il a proposé de me l'acheter pour un prix incroyable. Genre, il veut acheter ça. Genre, il y a un avocat, il veut acheter un tuk-tuk. On est où, là? Dans quel monde? Ken Morgan veut acheter un souvenir local. C'est ça, ses souvenirs? Mais frérot, mais alors lui, c'est ça la vie de multimilliardaire? Comment ça? Comment ça, un souvenir, c'est un tuk-tuk? Qui achète ça en souvenir? Comment tu le ramènes chez toi, déjà? Selon le jardinier de l'hôtel, Ken Morgan veut lui acheter son vieux tuk-tuk comme souvenir. Malheureusement, pas moyen de le faire démarrer, vous êtes doué en mécanique 47. Je vous suggère de donner un coup de main au jardinier, cela pourrait être un excellent appât. Ok, et ben... Il me faut une clé anglaise du coup les gars. Attends, j'ai un objectif là-bas. Ah, faut que je descende ici? Wesh, Bugs what? Ah, il y a des dératiseurs! Enfin des... Comment ça s'appelle? Des désintoxiqueurs. Je dis tout sauf le bon mot. Si, des ratisseurs en vrai je crois. J'avais appelé le mec là qu'on a vu avec sa camionnette Bugs What là. J'avais appelé un mec comme ça pour chez moi une fois. J'avais un nid de frelons dans mon grenier les refs. Ah je peux vous dire c'était pas à jouer. Hein. Je sais pas si j'ai le droit d'être là. Non j'ai le droit hein. Il y a pas écrit que je suis en intrusion. Donc ça veut dire que j'ai le droit d'être là. Et bah allez. La clé anglaise, elle est juste là. Ah, il y a la boîte à outils. Merde. Ok, lui, c'est un point blanc. Ça veut dire lui... Merde, pas mon gun. Pas mon gun, sors pas ton gun, c'est trop tôt, mon pote. Hop là.
Il y a un petit bruit. T'as pas envie d'aller voir? Tu peux pas aller voir? Frère. Il y a un bruit, mon ref. Tu te fais de ma gueule ou quoi? Gros, il y a l'argent qui t'appelle, là. Oh, t'es en train de louper le salaire du mois, là. Encore? Oh, il se barre. Oh, merde. Il était en train de se barrer, je l'ai rattiré. Oh, je suis trop con. Il était en train de se barrer et je l'ai... Non, trop dangereux. Wouah, je suis chaud. C'est bon, il est hôtel. Oh, la chasse atomique. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, 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 il bouge? Magnifique. On a ramassé en même temps. J'ai ramassé la clé anglaise et il a ramassé la pièce. Allez hop. Ouah, j'ai eu de la chatte hein, par contre les gars. Honnêtement, il y a deux fois je suis pas passé loin. Baisse-toi en perma quand il y a des mecs, ça te fait repérer moins vite. Ah, jure Xari, je savais pas du tout ça. Oh, le bon conseil. Et bah magnifique les gars, là la clé anglaise lui va être refait hein. S'il savait. Mon pote, j'ai ce qu'il faut pour t'aider. Hop là, je lui demande même pas son avis. Ah ouais, je lui demande même pas son avis, je répare son tuk-tuk. Et voilà mec, c'est réparé. Attends mais intrigue terminée. T'es pas, il est content de fou. Il est trop excité. Calme-toi mon ref, c'est un tuk-tuk hein. Tu vas pas faire des millions avec ça hein. Ok mais... Par contre, du coup, maintenant, faut annoncer la bonne nouvelle à Monsieur Morgan. Donc, qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? Il va prévenir Ken Morgan? Ken Morgan, il va revenir au tuk-tuk? Est-ce que ce serait pas le moment de planquer un explosif, ici? Je pense que c'est le moment, hein. Explosif, les refs, hein. Je vais pas vous mytho, hein. Putain, j'ai bien fait de prendre l'explosif. Wouah. Ah merde, wesh. Il déconne pas frère hein. Ils l'ont cramé direct l'explosif. Si je le prends ici. Attends. Mec. Ah mais non. Le bidon. Percé. Ah faudrait que je perce ça. Un coup de tournevis, je perce le bidon. Et comme ça, après, j'ai juste à tirer dans le bidon et ça explose. Après, l'explosif, ça marche aussi, hein. Le problème, c'est que là, tous les gardes, ils m'ont en visu, en fait. Putain. Percé, il me faudrait un tournevis. Y'a pas un tournevis dans le secteur? Le pire, c'est qu'il va arriver bientôt, là. C'est quoi, c'est une bouteille? Oh, ils ont trouvé le corps du jardinier. Oh, c'est bon, ça date, hein. Franchement, ça date. Et si je sors la bombe là? Putain, fais chier. Je sais peut-être comment faire les gars. Pièce de monnaie. Lui, on va l'intriguer ailleurs. Ok. Oh, c'est parfait. Oh, ce que je viens de faire, c'était parfait. Oh, les refs, c'était parfait. J'ai fait le move qu'il fallait, hein. Oh merde! Ah! Alors, il y a un truc que j'avais pas pré-shot, les gars, dans mon analyse. Mais pourquoi il est venu? Mais pourquoi, frère? Pourquoi il est allé voir dans le tuk-tuk, le con? Bah, parfait, il a dit. Oh non, pire move. Les refs, je viens de niquer la mission. Je viens de niquer la mission. Non, mais j'ai tué un innocent. Merde. En soi, les gars, je suis toujours pas repéré. Mais question. Est-ce qu'on tente d'avoir le plus d'étoiles possible et du coup, je recommence la mission avant? Ou est-ce que, vas-y, ça fait partie de l'aventure, j'ai fait de la merde? Non, remake, les gars, je remake.
Oh, j'ai trop le seum. Oh, j'ai trop le seum. Mais gros, mais je pensais pas que le mec, il allait... Pourquoi il allait fouiller le tuk-tuk? Le pire, c'est que ça a explosé tout seul, du coup. Putain, je suis de retour ici, fais chier. Ok, alors attendez. On va se mettre en sneak. Ok, il est hôtel. En vrai, je vais quand même mettre une petite pièce, hein. Regarde, hop. Petite pièce par là. Alors, qu'est-ce que c'était ce bruit? Oh, de l'argent. Hop là. Magnifique. Il a rien vu. Tout est passé sous ses yeux. Ok, j'ai la clé anglaise, les gars. On va pouvoir retourner là-bas. Putain, le con. Attendez, mais du coup, faudrait que je trouve un tournevis. Maintenant que je sais qu'il me faut un tournevis après. Faut pas que je répare trop vite. Parce que si je répare trop vite, il va aller chercher Ken Morgan, là, et je vais me retrouver dans la merde. Peut-être ici, lui, il a peut-être un tournevis, non? C'est quoi, ça? Mort au rat? Non. Où est-ce que je peux trouver un tournevis qui traîne? J'imagine que j'ai pas le droit... Ouais, j'ai pas le droit de rentrer, évidemment. Les refs, vous avez pas des tournevis ici, là? Mec, il y a forcément un tournevis dans la map. Et si je tire sur le baril, est-ce que ça le fait exploser? Hey, Mr. Greenfingers. Do your magic. Oui. Ah, j'ai juste à tirer sur le baril, sinon. Mais imaginez, ça marche pas. Vous pensez que j'ai juste à tirer sur le baril? Sinon, tire dans la tête du gars. Mais oui, mais je vais être trop cramé, les gars. Ah, mais tirer dans le baril, c'est la même chose, en vrai. Dans tous les cas, je suis cramé. C'est nul, ça va t'enlever toutes tes étoiles. Merde. Bon, attendez, on va retenter. Allez, hop. On va aider lui. On va voir ce qui se passe, les gars. Ça va attirer Ken Morgan. Il y aura peut-être un truc à faire avec Ken Morgan. Putain, je sais pas. En fait, là, c'est bon. J'ai réparé le tuk-tuk. Lui, il est content. Il va aller chercher Ken. Le problème, c'est que maintenant, comment je le fume, Ken? Faut pas que je me fasse cramer, en fait. Maintenant, faut annoncer la bonne nouvelle à Monsieur Morgan. Peut-être je le suis? Est-ce que je le suis ou alors je me fais passer pour lui? Est-ce que je le maîtriserai pas? Hop, je le fous là direct dans la caisse. C'est un exemple, hein. Bam bam, je maîtrise, je le fous dans la caisse. Et c'est moi qui va prévenir Morgan. Il y en a, il m'a dit noix de coco, c'est pas con. Est-ce qu'il y a des noix de coco quelque part? Merde. Oh, j'ai trop le seum, les gars, je suis pas concentré. Ah, c'est bon. Oh, magnifique. Oh, la sauvegarde au bon moment. On va rester patient, les gars. Ah, faut aller chercher Morgan, mon vieux. Ouais, ouais, tu m'as fait peur. Oh, la hache de fou. Fais-toi passer pour lui. Attends. Hop. Là, il y a le garde. On vesquit les mauvaises histoires. Voilà. Et là, je vais le suivre. On va bien voir où ça mène, hein. Le tuk-tuk fait des retours de flammes, dont l'intérêt de faire fuiter de l'essence avec le tournevis. Ah merde! Mais c'est lui qui a trouvé le corps, en fait! Merde! Mais du coup, il va pas chercher Ken! Lolololol. Hey, talk to me, what's happening? I found a dead body, and here's the kicker. The
Ok les gars, c'est pas grave. C'est ok. Attendez. On est sur une piste. Lui, il a appelé à l'aide. Là, ils vont enquêter. Mais lui, normalement, il devrait retourner chercher Ken Morgan, là, non? Moi, faut que je trouve un tournevis. Il y en a un, il a dit un truc intéressant. Le tuk-tuk fait des retours de flamme. Donc, si je perce le baril, ça va faire exploser. Et du coup, je vais être ni vu ni connu. Putain, mais où est-ce que je peux choper un tournevis? Une pelle? Ça marchera pas, une pelle. C'est mon tournevis par là. Putain, un marteau. On n'est pas loin, les gars, on s'approche. Un tournevis, mon ref. Ça se trouve dans la boîte à outils, en fait. Faut que je retourne à la boîte à outils. Hein. Les gars, j'ai juré, je vais... Oh. Non, c'est une bouteille d'eau. Je vais retourner à la boîte à outils rapidement. En tout cas, en haut, j'ai tout fouillé, j'ai l'impression. Hein. De biche. Eh mais attends, mais j'avais pas capté. Les trucs que je peux prendre, ils sont en jaune. Pas de tournevis là. Y'a pas un petit tournevis ici. C'est quoi ça? Déguisé en personnel de cuisine, non. Mort au rat, non. Faire déborder l'évier, non. Wesh, y'a un corps? Me dis pas que c'est le mec que j'ai tué, ils l'ont mis ici. Me dis pas que c'est le mec que j'ai tué. Je peux passer ici ou pas? Là, y'a une hache. Bon. Oh! Oh, le tournevis! Oh oui! Oh oui, les gars! Oh, magnifique! L'enquête aura servi à quelque chose! Wesh! Y'a Captain Haddock! Frérot, c'est le capitaine dans Tintin. Qu'est-ce qu'il fout là? Oh, magnifique, les gars. Je suis fier de moi. Je suis trop fier de moi. J'ai trouvé le tournevis de moi-même. Je suis trop fier. Alors, du coup, le tuk-tuk, il est toujours là. C'est... Oh, putain, il y a la directrice. Oh, arrête de me regarder comme ça. Mais il n'y a pas... Wesh. Elle veut mon cul, elle. Mais elle est amoureuse de moi pour me regarder comme ça. L'autre, normalement, il est allé chercher Ken, non? Pourquoi il est toujours aussi loin, là, Ken Morgan? J'espère qu'il va venir. Parce que comme l'autre, là, le mec du tuk-tuk, il a trouvé un corps. Si ça se trouve, il veut pas aller chercher Ken. Ah, si, peut-être il arrive. Et bah, les refs, j'ai l'impression que ça va être le moment. Percer bidon de pétrole. Magnifique. Et là, les gars, normalement, il n'y a plus qu'à attendre. À partir de maintenant, je vous le dis. Il n'y a plus qu'à attendre. Les gars, si on réussit, si là, c'est bon, Ken Morgan, il vient et que tout se passe comme prévu, c'est la mission la plus masterclass que j'aurais faite. Parce que même s'il y a eu des erreurs, etc., tu connais, il y a des erreurs de parcours. Ça fait partie de la vie. Mais les deux kills sont masterclass. En fait, les deux kills, j'ai provoqué quelque chose qui provoque la mort du mec. Sans que ça soit vraiment moi le tueur, tu vois ce que je veux dire? Ok, il devrait arriver. Mets une pièce dans ta main. Ouais, grave, j'avoue. Hop. Tac, tac, tac. Je peux pas faire genre je suis jardinier là? Ah, on ratisse les mauvaises herbes, mince. Oh là 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 là. Non, faut découper tout ça. Non, les gars, faut pas laisser autant de lierre pousser là. Fou. Putain, y a beaucoup de Wesh. Les moustiques. Mais frérot, ça c'est pas des moustiques de Thaïlande, hein? Ça, c'est le moustique de Tahiti, ça, je reconnais. Hein. Vous savez, ça me fait penser à quoi, là, les moustiques? Est-ce que vous aussi, ça me fait penser aux petites boules noires d'aloe vera, des fois, dans les boissons? C'est très précis, hein, mais je vous jure, ça fait des petites graines noires avec des contours blancs. Ça vous fait pas penser à ça? Non. Non, vraiment pas, ok. Ok, ok. Oh, il arrive! Oh, il arrive! Il arrive! Magnifique. Oh là! Oh, c'est magnifique. Oh là là. Oh oui. Oh oui, monsieur Morgan. Monsieur Ken. Oh putain, il arrive avec le garde. Non, c'est bon.
Le garde avec le point blanc, là, il me fait peur. Oh oui, monsieur Ken, vous allez acheter ce sublime tuk-tuk. C'est vrai qu'il est magnifique, hein, c'est un beau souvenir, ça. Je suis méga suspect. Comment j'attends derrière le camion blanc, là. Frérot, je suis supra-suspect. Ouais, c'est un beau bolide, ça, hein. Fais-moi voir un petit peu comment ça démarre, là. Oh, le feu. Oh, c'était violent, quand même. Oh, c'était violent, quand même, hein. Je m'attendais pas à ça. Wesh. Eh, j'ai vu, il a commencé... Oh, merde. Ok, là, c'est pas le moment de se faire cramer, là. Le pire, c'est que là, ils sont encore plus vigilants, là. Là, il redouble de vigilance, les mecs. Il vient d'avoir l'appel, là. Là, il surveille tout le monde. Excuse-moi, frérot. Parfait. Et là, normalement, j'ai plus qu'à courir vers la fucking sortie, frérot. C'est magnifique. Mais cours. Je voulais pas courir. Parce qu'en général, tu cours, ça te fait passer pour un mec encore plus suspect. Alors attendez les gars, on repart comment? En bateau ou il y a une autre issue là-bas? Non, le bateau c'est trop classique. On est en Thaïlande, on arrive en bateau, on repart en bateau, c'est trop facile. C'est trop facile. Moi je vais repartir avec un autre moyen. Je sais pas c'est quoi là-bas. Ah mais c'est dans le sous-sol. Merde. C'est quoi? Bah, c'est quoi cette sortie de fou? Moi je veux partir avec cette sortie en bas là. Bon, je crois que je vais partir en bateau, finalement. Je crois que finalement, flemme. Flemme, finalement. Je vais prendre le bateau, les gars. Attends, quoi que, peut-être. C'est ici. C'est quoi l'autre sortie, là? Je comprends pas. Staff. Et attends, mais je vais où, là? C'est tout sauf une sortie, là, où je vais? Ah, si, ok. Ah, c'est la sortie de secours. Ah, c'est pas ouf. Non, mais on part en bateau, les gars, finalement. Bon, finalement, non. Bateau, c'est la classe, quand même. Je suis pas hype. PTDR, le difficile, grave. Grave. Frère, on dirait que je choisis un plat au restaurant, genre. Je chipote. Allez, hop. C'est parti! On quitte la mission, t'es moche, pareil, mon bateau là! Comme si de rien n'était, tout le monde me laisse partir! C'est beau ça! Twitch Novan, merci pour ton sub! Les gars, cette mission était masterclass. Je crois que, honnêtement, pour l'instant, après c'est aussi parce que j'ai appris à jouer au jeu, j'ai compris plus de trucs et tout, et je suis beaucoup moins perdu qu'avant, mais je crois que c'était ma mission préférée du jeu. Parce que, même si elle était dure et tout, je suis content de mes kills. Il s'est passé des trucs un peu improbables qui étaient quand même marrants et tout. Et j'ai bien aimé. Il y avait pas trop de monde partout. C'était pas trop la pagaille. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, les gars. GG. Merci, les gars, pour les GG. Tu dis ça à toutes les missions. C'est vrai, mais parce que j'aime trop le jeu. C'est la preuve que je kiffe de fou le jeu, hein. Putain, regarde toutes les autres. Mec, le nombre d'issues possibles, ça me choque à chaque fois. Hein. Putain. Oh, rang de mission 3 étoiles. Les gars, on a eu 3 étoiles. Purée, c'est la première fois que j'arrive à avoir au moins une étoile. D'habitude, je me fais toujours recaler. Mec, ça y est, assassin d'ICA professionnel. C'est bon, les gars. Je vais devenir dangereux, hein. Faudrait... Finalement, les gars, je sais pas si c'est une bonne idée de surkiffer Hitman et de autant y jouer en live et tout. Parce que, tu connais, c'est un jeu bizarre quand même. Élément de maîtrise de la destination débloquée. Vous avez atteint le niveau 5 de Bangkok. Point de retrait de l'agence Abri Jardin. Ok, magnifique. J'ai des... Oh, j'ai une nouvelle arme. Corps à corps. Machette de NNE Obara. Une machette sanglante qui a appartenu à NNE Obara. Mortelle et suspecte. Lieu de départ. Fusil à pompe. Wesh.
une variante camouflage du NRAV HV, un fusil à pompe bulbup moderne, maniable et efficace en combat rapproché. Silencieux, discret, portée réduite. Ah ouais, mais si tu veux, frère, tu peux vraiment faire en mode tu fumes tout le monde. Oh, une semaine plus tard, on a le fin mot de cette histoire. Le corps du milliardaire et mania des médias Thomas Cross a été découvert plus tôt dans la soirée, cribé de balles. C'est faux. C'est complètement faux. La rockstar adulée Jordan Cross. En reclus notoire, Thomas Cross n'avait pas quitté son île privée depuis des années. Ah non, il y a Jordan Cross et Thomas Cross, ok. C'est qui elle? Oh. Tu fais l'émission de façon random ou tu suis l'histoire? Bah je fais l'émission en suivant l'histoire, mais je ne comprends rien à l'histoire, en vrai de vrai. Ouais, c'est quoi cette image là? Ce n'était pas une coïncidence. Loin de là. Thomas Cross had billions in hidden offshore accounts, all stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows. Parce que moi j'ai tué Thomas Cross et comme par hasard, Jordan Cross il est mort. A shadow client. Someone got rich. The contract was just. Elle te donne l'émission. Ouais, je sais que c'est elle qui me donne l'émission. I know you don't care about politics, 47. But ICA is neutral, or it has been. Oh les gars, j'ai chaud là dans mon sud. On va faire une dernière mission les gars. Je pense que la deuxième, on va un peu plus la speedrun, parce qu'il est déjà 23h mine de rien. Morocco. Paris. Oh, dis-moi, on va en Italie. Ah mais on a déjà fait en fait. On a déjà fait Italie, Maroc, Paris. From a hidden source. Each contract perfectly legit. Yet part of a grander design. I don't see the pattern. Somebody does. Celle qui parle dans l'oreillette pendant l'émission. Ok. And our analysts are closing in as we speak. I know that tone. Someone's playing a game, 47. The question is, the game's to whom? C'est un peu long, hein. Franchement, Les gars, de toute façon, moi, c'est simple, hein. Les jeux où faut être un minimum intelligent, les films où faut être un minimum intelligent, je comprends rien. Ça veut dire, là, je suis un peu du père dans l'histoire, en ça. Mais bon. Tu parles comme un vieux. Ok, bah peut-être, peut-être. Et bah magnifique, mission accomplie. Les gars, prochaine mission. Tac, 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 comment on fait? Retourner au menu. Putain, j'ai chaud, je meurs de chaud, bordel. Hop, Hitman. Et du coup, on est toujours, les gars, de toutes les missions qu'on a fait, on est toujours sur le premier jeu Hitman. C'est un truc de fou. Ok, le monde de demain on a fait. Une cage dorée on a fait. Club 27 on a fait. Prochaine mission les amis. Prochaine mission. Combat pour la liberté. Wow, ça m'a l'air d'être une mission hardcore. Hein. Oh, rien que l'image de la mission. Agent 47 là, Hitman avec le petit silencieux. Les deux autres avec leur gun et tout. Ouais, ça m'a l'air d'être une mission hardcore. Hein. C'est parti. Au Colorado ? C'est dans quel pays ça ? Ah bah c'est USA, il y a écrit vraiment. Ok. Jusqu'à une certaine Olivia Hall. Une jeune activiste de génie. C'est une hackeuse ? C'est une hackeuse. Her digital trail has led us to a remote farm in Colorado, where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia, led by an already registered target, Sean Rose, Australian environmental Sean Rose, un éco-terroriste australien expert en explosifs. Wow. Frérot, on s'attaque pas à des petits gens tout mignons, hein.
Celle-là, les gens l'aiment pas de map, mais moi je la kiffe, juste elle est longue la première fois. Ah ok, ok, ok. And eliminate Sean Rose, along with three other prominent militia members. Ezra Berg, retired Mossad interrogator. Penelope Graves. Wesh, attends, mais il y a trois cibles. And finally, Maya Pavel, non. Former assassin. And attends, attends, rassure-moi, j'ai mal compris. Quatre cibles. La stratégie d'Eric Soders n'est pas judicieuse. Il y a quatre cibles. Non, dis-moi que j'ai pas compris. Elle me présentait juste les gens, là. Il y a vraiment quatre cibles. Et pourquoi il y a... Pourquoi il y a Freddie Mercury, là? C'est qui, lui? Avec son masque. C'est quoi cette dinguerie? Il y a quatre cibles. Oh là 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 là. Wesh. Mercury, Freddie Mercury. C'est qui Freddie Mercury? C'est pas mais Freddie Mercury, c'est pas un tueur en série? Je sais pas. Freddie Mercury, je sais pas les gars. J'ai peut-être inventé un blaze. C'est le chanteur de Queen. Bon, écoutez les gars. Moi et la culture générale, ça fait 12 ans. Au moins vous le savez hein. C'est Jason vendredi 13. Ouais, bon voilà, voilà, voilà. J'ai confondu, Freddy Krueger, voilà, voilà, j'ai confondu. J'ai confondu, c'est la même chose, c'est la même chose. Ah, j'étais sûr de moi pourtant, putain. J'étais sûr de moi. Bon, là les gars, je pense que ça va être une mission, il va falloir y aller en mode hardcore, hein. Moi je vous le dis. On va clairement prendre un explosif. Est-ce que j'ai d'autres armes? J'ai le pistolet chrome. Ouais, ça change rien en vrai. Vas-y, je prends le pistolet chrome, allez, pour changer. Objet de contrebande, non, ça je peux pas. Et bah allez, hein, c'est parti les gars. Ouah, y'a 4 cibles, mais... Attends, mais ça va être hardcore là. Cible Ezra Berg. Mec, Ezra Berg, ça se voit, c'est un psychopathe. Le QG de la milice se trouve dans une exploitation fruitière. Elle semble s'entraîner pour une série de frappes. Oh, mais mec, c'est le pire endroit. Ouais. Satellite scans indicate that the command room. Oh, le manoir, il fait bader. Inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however. Seule Rose semble y avoir accès. Pour entrer, il va falloir être créatif. This environment is hostile and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. Oh là là. Bon, j'ai fait le truc le moins discret du monde là, d'escalader les planches et de redescendre. Frérot, tu voyais pas juste? Ah non, en fait, j'étais obligé. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Zone hostile. Oh, mais comment ça, zone hostile? Non, mais attends, attends, mais là, il va falloir se battre là, les gars. Et ça m'a pas l'air d'être une mission juste pour déconner, celle-là. Hein. Celle-là, on va forcément faire des kills, je crois. Hein. Déjà, à partir du moment où j'ai 4 cibles. Ok, alors attendez. Bon, les 4 cibles, évidemment, elles sont loin. Il y a 2 mecs devant. Qu'est-ce que je peux faire, là? Putain, mec, ils ont tous des armes. Peut-être que j'essaye de faire le tour. Là, il y a un mec tout seul. Peut-être essayer de passer... Oh, merde. Est-ce que lui, je peux pas l'assommer? Il est tout seul, hein? Ah, il y a l'autre... Non, il est pas loin, l'autre. Je tente. Je tente, si ça passe pas... Ok, ça passe. Magnifique. Oh merde. Oh bah là je suis mort. Merde, ils ont déjà lancé les recherches. J'ai juré les gars, j'ai essayé de cacher le corps, j'ai pas eu le temps. J'aurais bien voulu hein. Déverrouiller porte. Merde, il me faut des clés. Non non mais c'est quoi cette dinguerie? Mais gros, cette mission elle a l'air hardcore les gars. Est-ce que habillé comme ça, je passe normal avec eux? J'ai l'impression que je peux, hein. Ok, c'est plus des points blancs, eux.
Le taré avec le masque, de quoi tu me parles? Ok, j'ai réussi à rentrer, hein. J'étais au poste de sécurité à regarder les flux, j'ai vu ce type bizarre qui a interrogé un otage. Ok, lui là-bas, il a un point. Alors... Oh, mais oh, il y a un mec juste là. Eh, mais je crois que je vais y aller en mode bourrin, cette mission, les gars. Ah oui, j'ai pas le droit de passer là, en fait. Ok, en fait, cette zone, j'ai pas le droit d'y être. Voici Sean Rose, un ex-terroriste devenu rebelle. Comment je peux le fumer, lui? Là, une balle dans la tête, je suis trop cramé, là. La charge est trop faible. Faites un nouveau mélange, cette fois rajouter 0,5% de nitroglycérine. Wesh, gros, je sais pas ce qu'il est en train de fabriquer, là, mais je crois que j'ai pas envie de savoir. Mec, ça fait bader! Il y a une grange à la The Walking Dead devant. Est-ce que j'essaye de commencer par lui? Vise le 5 étoiles. Mais là, les gars, ça me paraît compliqué. Hein. T'as un flingue, Mich. Ouais, je sais, les gars, mais... Pour l'instant, on est discret, c'est bien. Par contre, je vois 3... Ah, il y a un quatrième là-bas. Ok, donc il y a un là-bas, un là-bas, un là-bas, un là. Est-ce qu'on commencerait pas par les deux du fond là? Oh, il y a une intrigue. Oh, il y a une intrigue, les gars. Merde. Je suis en intrusion. Pardon, pardon. Je savais pas. Ils parlent de quoi, eux? 9 accidents sur 10 sont domestiques. Ok, il y a une intrigue ici. Ouah, wow, mais pas honte, gros. C'est des mecs du SWAT. Ok, intrigue, homme de pointe. Il y a eu un accident d'entraînement, un malheur n'arrive jamais seul. Un membre de l'équipe d'assaut a été blessé par un bélier, l'homme de pointe, un certain Burgess. Selon les miliciens, Maya Parvati aime superviser l'entraînement. Ça tombe bien, vous devriez infiltrer l'équipe d'assaut. Vous pourriez remplacer ce pauvre homme de pointe. Et bah c'est parti, frérot. On va le remplacer, cet homme de pointe. Procurez-vous la tenue de l'homme de pointe. Elle est où? Ok, elle est là-bas. Bah, c'est parti. Hein. Wesh, ils font quoi, eux? That is Penelope Graves, acclaimed anti-terror analyst. Strange to see her. Wouah, frérot, j'aime pas. Voilà Penelope Graves. Ah, mais c'est une meuf que je dois tuer. Je l'ai pas vue. Son nom de hackeuse était Del Riego. Zone découverte, caserne. Est-ce que je peux avancer comme si rien n'était? Non, il va me dire non. Je peux. Ah, du coup, là, lui, je vais lui dire que je vais le remplacer. C'est lui l'homme de pointe? Ah non, il va falloir que je le fume, en fait. Merde. Faut que je me procure sa tenue, mais moi-même, genre à la bonne franquette, quoi. Je dois me procurer sa tenue. Les gars, est-ce qu'il y a un truc à faire avec les toilettes ou quoi? Faire déborder. Si je fais déborder, ça va peut-être attirer ce mec là. Ok, j'ai une idée. On fait déborder l'évier. Lui, je pense que ça va l'attirer. Il va où, lui? Ah, c'est lui qui cherche la source. Bah c'est bon, je vais le fumer dans... Bah c'est bon, je le fume dans les toilettes. Encore mieux. Et là, mon pote, ni vu ni connu. Allez, hop! Est-ce que je le tue, lui? Putain, faut pas que je le tue, sa mère. J'ai pas envie de le tuer. Se déguiser. Est-ce que je peux cacher le corps? Il y a jamais d'endroit où je peux cacher le corps. Ok, j'ai pris son arme. Merde. Cherche la source du leurre. Merde. T'inquiète, y a pas de leurre. Attends. C'est bon, j'ai éteint l'évier. Bah ouais, je suis foutu, frère. Putain, fallait que j'arrête l'eau, les gars. Je suis trop con. On recommence.
On recommence. Ok, ok. Tu débile. Ouais, je suis débile, les gars. C'est vrai que je suis con. Fume-le. Vous voulez qu'on tente la manière forte? Non, c'est hard, les gars. Ça sert à rien, en vrai. La manière forte, j'ai l'impression que c'est pas récompensé dans ce jeu. C'est pas classe, en fait. Frérot, on est un tueur à gage, on est classe. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je l'aurais bien fumé ici, là? Et caché dans le dans l'armoire. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Hop. Voilà. Comme au bon vieux temps, on éteint l'évier. Voilà, ni vu ni connu. Toi, mon pote, on se déguise. Ok. Faudrait que lui, maintenant, il retourne là-bas. Parfait. Et là, vous allez voir, les gars, je vais cacher le corps. Ah non. Je peux pas cacher le corps là, c'est trop dangereux, non? Vous pensez que je tente ou pas? Les gars, je sauvegarde. Attendez. Je vais sauvegarder, je vais tenter de cacher le corps. Je devrais peut-être attendre qu'il aille au fond, mais en vrai... Voilà! J'ai bien fait de sauvegarder. J'ai trop le seum. Les gars! Pourquoi c'est toujours quand je fais le mec? Voilà! Putain! Mais il est bête, il y a une fenêtre. Mais non mais gros, je vais pas le jeter par la fenêtre, frère. C'est tellement cramé dehors. C'est mille fois plus cramé dehors, hein. J'aimerais bien cacher le corps en vrai de vrai. Attends mais... Il est où le soldat? Ok, il est là. Ok les gars, prochaine étape, il va aller au robinet. Quand il va être au robinet, normalement, il va rien voir. Là, normalement, il va au robinet. Magnifique. Et c'est maintenant. Parfait. Ferme-le. Voilà, j'allais dire. Voilà. Le corps est caché en plus. Magnifique. Alors... Parler à Maya Parvati. Ok, et Maya Parvati, c'est parfait, c'est une cible, les gars. Ah, je suis blessé, putain. Putain, mais du coup, là, je suis un mec important, là, pour les gens. C'est trop bien, gros, je suis cagoulé et tout. Personne... Là, normalement, je peux avoir aucun point blanc, là, sur moi. Hein. Je suis tellement jamais cramé. Tu l'as pas tué, donc il va revenir, le mec. Ouais, peut-être. Mais s'il revient, c'est dans longtemps, ça sera trop tard. Je serai déjà passé à une future mission, moi. C'est pas si mal. Voilà Maya Parvati, une tueuse sri-lankaise devenue pirate puis rebelle. Ok, je vais lui parler. Notre punching ball ambulant. Rendez-vous dans la zone de briefing, on va reprendre un instant. Et bah magnifique. Écoutez le briefing d'entraînement. Mais par contre, je sais toujours pas comment je vais la tuer. Hein. L'homme de pointe est de retour sur le terrain. Ah, les gars, je suis quelqu'un d'important, wesh. Elle parle de moi. L'homme de pointe, c'est Wom. Driax, merci pour ton sub. Desserrer la soupape. Ah putain, si ça se trouve, il va falloir que je fasse ça, les gars. Il va falloir que je tue en desserrant la soupape, je sais pas. Yo les mecs, ça se voit, eux c'est mes je suis leur supérieur genre. Ouais, c'est moi le chef ici hein. Wesh, attends, mais c'est quoi cette stratégie là? Motorcade assaut. Ah mais en fait je suis vraiment dans... Je suis vraiment avec des mecs bizarres un peu là. Alright, people, let's get to it. Burgess est de retour. Burgess is back. I expect you all to know this by heart. Je le répète. Case amnesia has set in. Here's the sequence. Advance to the car with haste. Eliminate the passengers. Récupérer la mallette. J'écoute vraiment le plan comme si j'allais le faire, les gars. J'étais prêt à suivre le plan là. J'ai oublié que j'étais un infiltré. Non, c'est bon les gars, pas besoin de sauvegarder le chat.
Ah, ça sert à rien, les gars, dans le chat, de spammer tout le temps la même chose. Mettez-vous en position. Allez, c'est parti, on suit. Hein. Mais attends, mais il me dit pas qu'on va vraiment faire le plan d'attaque, là. Activez le bélier. Activez le bélier, c'est quoi le bélier? C'est ce qui m'a blessé en plus. Ah mais on va... Oh, on va s'entraîner. Allez, on recommence. Merde, mais j'ai rien écouté. Je vais faire quoi? Ah mais on doit tuer les cibles. Wesh, mais c'est une dinguerie cette mission. D'abord, j'ai aucun shoot, hein. Ah non, je dois... Ok, je dois rentrer. Forcer. J'ai pas de pied de biche. Ah ok, il est là. Hop. Allez, on force. Magnifique. Temps restant 8 secondes. Burgess, ne me forcez pas à répéter. Merde, faut que je... C'est bon. Ouah, les gars, à 2 secondes près. À 2 secondes près, sa mère. Ah, j'ai pas été bon, hein. Enfin, finalement, c'est passé quand même. Putain, mais c'est trop bien. Ici, je peux me balader qu'un pied de biche, personne ne dit rien. Le niveau de l'équipe était moyen. La vitesse et la précision sont bonnes, mais la coordination est à la traîne. Ouais, je comprends. Ça doit devenir automatique. Désactiver le système d'avertissement. This is Mark Romeo 7, apprehended on no. Je pensais pas que j'allais me faire cramer. Sir, it's time to give it up. Je pensais pas que j'allais me faire cramer, sa mère, je l'ai fait trop tard. C'est bon, je le réactive. J'ai niqué l'intrigue. Fais chier, j'étais si bien parti. Tu aurais dû sauvegarder. Est-ce que... C'est bon, il y a une sauvegarde auto, les gars. Il y a une sauvegarde auto, c'est bon. Putain, fais chier. Got that? And remember, speed and accuracy is the name of the game. All right. Now go pick up your. Voilà, tu as dû sauvegarder. Mais les gars, il y a les sauvegardes auto, c'est bon. Alors attends, du coup, je vais devoir désactiver un truc. Je pense qu'il va falloir que je le désactive dès qu'elle parle, non? Parce qu'en fait, là, ils se sont retournés pile quand j'ai appuyé sur le bouton. Pile quand j'ai appuyé sur le bouton, ils ont arrêté de parler. Et là, vous allez voir, je vais être trop fort à l'entraînement, les gars. Là, je vais être monstrueux. Je fume les 4 cibles, je cours au pied de biche. En 10 secondes, c'est fini. Go! Merde! Je suis allé trop vite! C'est bon? Déjà? C'était rapide là! Hop, on prend les documents. Oh là là! Si là, elle nous dit que c'était pas bon! Pas mal les gars, on souffle 5 minutes. Non mais alors là c'était parfait là madame. J'ai dit madame en mode c'est ma prof. Et là vous pensez que je peux maintenant? Ok, j'écoute le brief, machin. Parfait. Ils ont entendu un petit bruit, mais ça les a pas alarmés. Votre arme de poing était fantastique. Il fera un excellent assassin. En parlant d'assassin. Ok, alors attends, comment je reprends mon gun là? Recharger, comment on recharge les gars? Ok, c'est bon. Du coup là on refait l'entraînement. Du coup qu'est-ce qui va se passer? Je comprends pas en fait ce que j'ai désactivé. Comment elle va mourir? Jusque là c'est tout comme tout à l'heure hein. Je comprends pas les gars. Ok. Pas mal les gars, on souffle 5 minutes, ok. Mais du coup je vois pas. Ah, faut que j'appuie sur le bouton maintenant. Vous avez bien travaillé, machin. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars? J'étais en train de regarder le tableau, là. Il s'est passé quoi, les refs?
Wesh! Maya Parvati! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non! Ils sont quand même cons, hein. Ils se doutent pas que c'est moi, là, quand même. Non, ils sont quand même cons. Faut le dire, les gars. Oh, je suis recherché, quand même. Il y a des petites recherches. Il paraît que Parvati faisait partie des tigres tamouls. Les tigres tamouls? Mais c'est quoi ce nom? MDR, elle s'est fait défoncer. Mais vraiment. Eh, mais l'autre, c'était un... L'autre, c'était un mec à tuer aussi. Non, Mich, t'aurais pu avoir les deux. Il y a encore une cible. T'aurais pu avoir les deux. Recommence, t'as mal fait. Ah, je savais pas. Mais les gars, je savais même pas qu'il y avait deux cibles. On va recommencer, hein. Ok, on recommence, les gars. J'aurais pu avoir les deux. Fallait que t'attendes le bon moment. Ah, mais j'avais pas compris qu'il y avait les deux. Allez, allez chercher vos armes, mettez-vous en place. Allez, c'est parti. Mais arrête de recommencer, c'est pas du jeu. Vous voulez pas que je recommence? Mais si, les gars, ça fait partie du truc. Sinon, c'est trop tard. Hein. Ok, on refait la mission. Allez, on recommence, à vos marques. Là, les gars, la mission, je vais la finir en double. Hop, toi t'es mort, toi t'es mort. Toi t'es mort, toi t'es mort. Allez, hop, pied de biche. On ouvre. Trop de temps, reste en 20 secondes, j'ai tellement de temps. Putain, je perds du temps pour rien. Non, j'ai été mauvais. Voilà. Il reste 13 secondes. Si c'est pas beau. Pas mal, les gars, on souffle 5 minutes. Alors là, attendez. Hop. Ok, commence ton discours, toi, ma grande. Je suis là. J'écoute le discours. Le niveau de l'équipe était moyen. Fais chier, putain, on était moyen. Allez, hop. Il est venu connu. On a désactivé. En fait, là, j'ai désactivé la sécurité du bélier. C'est-à-dire que là, le bélier, à tout moment, il part. Oh, est-ce que je peux l'activer maintenant? Putain, y'a les deux cibles, sa mère. Les deux, ils étaient au bon endroit. Attendez, faut recommencer. On va recommencer, après y'a moyen d'avoir les deux du coup. Merde, mon arme. Après y'a moyen. Putain, y'a les deux cibles, gros, mais c'est tellement beau. Allez hop. Putain, mais j'ai aucun shoot. Allez hop, on force ça, magnifique. Les documents. Oh là là, c'est encore mieux que tout à l'heure. Parfait. On s'ouvre 5 minutes. Ok, et du coup là. Là, faut que j'attende que les deux ils se mettent sur la ligne du bélier. Putain, mais elle a pas peur d'ailleurs. Elle se met sur la ligne du bélier automatiquement. Allez, mon pote, place-toi. Wrap it up for today. I tell my men when we're done, Rose. Your men? Vos hommes, vous oubliez qui dirige cette opération. Arrêtez de vous embrouiller là, place-toi, putain. Got that. Whatever you say, chief. Whatever you say. Je fais genre, je suis en train de regarder le PC. Échec de l'intrigue. Quoi? Non, mais alors là. Non, mais alors là, frérot. J'ai trop la haine. Merde, j'ai un combat. Oh non, mais là, c'est mort. Ok, les gars, je crois qu'ils savent que c'est moi. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Je crois qu'ils sont au courant. Hein. Oh merde. Oh merde, ils savent que c'est moi. Non, ils savent pas. Ah, mais non, ils savent pas que c'est moi. Ah si, ça va. MDR Pyridé. Putain, mais je recommence trop de fois là. Je suis dégoûté. Fallait que je les fume direct en fait. Attends, 23h18. Ah non, mais ça, je l'avais déjà loupé l'intrigue à ce moment-là, non?
Oh, j'ai le seum. T'es mauvais. La deuxième tentative, faut les buter. Mais j'ai voulu, mais le mec, il s'est pas mis. En fait, faut les tuer dès la première tentative, les gars, je crois. Et là, je vais être monstrueux, tu vas voir. Non, si celle-là, je réussis. Les gars, si celle-là, je réussis pas, je les fume tous. Si celle-là, je réussis pas, je les fume tous. En fait, c'est dès la première qu'il faut que j'active. Première tentative, j'active. Elle est pas facile, cette mission. Donc là, on est d'accord, il y a les deux cibles. C'est parfait. Allez, c'est parti. Entraînement. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Oh, je deviens... Mec, je deviens vraiment monstrueux, là. Mec, je deviens vraiment monstrueux, là. Frérot, personne peut aller plus vite que moi. La tête de Wham. On souffle 5 minutes, j'espère bien. Alors attends, allez-y, parlez, commence ton discours. Ok les gars. Et là, se place devant le bélier, c'est parfait. Hop, ni vu ni connu. On a désactivé le bélier. Enfin, la sécurité du bélier. Et toi, mon pote, dès que tu te places, t'es mort. Oh, oui. Oh le double kill. Bon attends, parce qu'ils font des recherches, je vais peut-être partir quand même. Je vais peut-être pas rester ici trop longtemps les gars. Hein? Bon. Oh le double kill. Enfin, ouais j'avoue j'ai galéré. Putain mais c'était... Et ça paraît... C'est tellement simple. Finalement. Ok, du coup les gars, il me reste deux cibles. Une là-bas et une là. Je vais aller fumer le mec dans la baraque. Je devrais peut-être me changer là parce que si je suis sur tous les morts avec cette tenue, frérot, au bout d'un moment, ils vont se douter d'un truc hein. Est-ce que je peux rentrer avec cette tenue? Ah. OK, j'ai compris, pas de problème. Comment ça repérer? Non, mais dis pas que je suis repéré là. Non, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Ok, donc faut que j'arrive à m'incruster dans cette maison. Comment je peux m'incruster dans cette baraque, les gars? Faut que je sois déguisé en quoi pour rentrer dans ça? Y a pas l'air d'avoir du monde dans la maison, hein. Peut-être faut juste que je m'infiltre, en fait. Mais c'est lui que je dois fumer. C'est lui le mec chelou avec le masque. Voilà Ezra Berg, ancien interrogateur du Mossad. Il est très demandé en ce moment. Faut que j'arrive à le tuer d'une manière ni vue ni connue, genre. Il y a de plus en plus de dingues dans le camp ces derniers temps. Il n'y a pas une intrigue quelque part ici dehors? On va regarder les intrigues, les gars. Option. Attends, c'est où qu'on voit? Comment on voit les intrigues? Ah, c'est là. Intrigue. Ok, du coup, celle-là, je l'ai réussi. Celle-là, je peux plus la faire. Cible déjà éliminée. Alors, bon. Oh, celle-là. L'entretien. Ah! En mode, je fais. Oh! Ah, le légendaire Ezra Berg. On dirait que l'overdose n'est pas loin. Ezra Berg, un célèbre agent du Mossad spécialisé dans les techniques d'interrogatoire chimique, est ici afin de faire parler un prisonnier. Mes informations me disent qu'il a établi un labo de drogue de fortune dans un garage et il semblerait qu'il passe beaucoup de temps dans sa cave. Il y a peut-être là une occasion à saisir. Oh, je crois que j'aime bien. Heure funeste, site déjà éliminé, ok. Je crois que j'aime bien cette intrigue, les gars. Je dois aller où? Trouver la clé du sous-sol? Hein? Ah, faut que j'arrive à rentrer. Il est juste là, frère. Est-ce que je peux aller là où ils vont me voir pour un mec chelou? Non, je peux aller là, je peux me balader. Putain, mais les autres, ils continuent de s'entraîner. Wesh, donc vos commandants, ils sont morts, y a pas de problème. Bon, c'est pas grave, hein. Faut que j'arrive à rentrer là-dedans. Oh, putain, fais chier, un soldat. Pas simple, hein. Frérot,
Je vais pas te mytho. Voilà. Wesh! Putain, il se bat bien le bâtard! Merde! Compromis? Ah, mais il y avait un mec à l'intérieur! Mais putain, les gars, attendez, je suis pas concentré. Faut que je me reconcentre. Je recommence. Faut que je me reconcentre. Je l'ai tapé trop vite en fait. J'ai même pas vérifié s'il y avait un mec à l'intérieur. On recommence. Alors attendez. Tac, 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 tac. Intrigue. Hop. On prend celle-là. Regarde ta map. C'est vrai que je regarde jamais la map. Bien vu. Ouais, c'est vrai que je regarde jamais la map. Concentration max. Eh les gars, sur cette intrigue, je me fais pas cramer une seule fois. Je vous le dis. Ok, la clé du sous-sol elle est à l'intérieur de ça. Bon. Ah, il y a deux mecs à l'intérieur. Donc faut que je trouve un moyen de rentrer et que les deux mecs me crament pas en plus. Et une porte. Ah non, il y a un mec à l'intérieur qui parle avec un mec à l'extérieur. Ok. Bah je sais exactement comment on va faire les gars. Il y a un truc pour cacher le corps juste là. Eux deux, dès qu'ils ont fini de parler, lui je le fume. Je le fous dans la boîte. Et c'est parfait. Ils ont l'air de beaucoup parler. Hein. Après, à tout moment, tac tac, en sneaky, à déverrouiller porte. Il va me falloir une clé en fait. Wesh, ça y est, vous avez assez parlé, vous deux. Oh. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Wesh, il m'a fait bader. La tête d'homme, c'est un screamer, le mec. Wesh, gros, il est arrivé derrière moi en mode il allait m'assassiner. Hein. L'assassin, est-ce que ce serait pas le moment là? Regarde, alors là. Oh, you're back, great. So, listen, I've been thinking, maybe the dosage is just wrong. Did you check? I appreciate your enthusiasm, but I checked the dosage. It was the first thing I did. Of course you did. I'm so dumb. Sorry. So, maybe there's something wrong with the delivery system. Oh, c'était tellement sneaky là. Attends, je récupère ma pièce quand même. Quand même, les gars. Une pièce, c'est une pièce, hein. Attendez, oh, on est où là? Est-ce que je vais pouvoir rentrer là du coup? Eh, mais là, j'assomme lui, je le fume, hein. En vrai, j'assomme lui, je fume le tueur, hein. Non, on va suivre l'intrigue. J'ai pas envie de me faire repérer pour de la merde, j'ai dit. Ah, je monte la garde là. Ah, la petite clope là. T'es cramé, remets notre tenue. Non, je suis pas cramé là. Putain, c'est un point blanc lui quand même. Eh, mais là. Mec, je peux tellement lui mettre une balle dans la tête là. J'hésite. Ah, il vient de partir. J'ai trop hésité. Oh, j'ai l'impression qu'il est en train de regarder le corps là de cette POV. Tue-le. Les gars, si je peux le tuer, est-ce que je le tue? Bute-le, vas-y. Coupe l'électricité. Pourquoi faire? Ah, je sais pourquoi. Ça attire l'autre. Merde, c'est le tueur qui est sorti. Ok, alors attendez. J'ai coupé l'électricité, du coup lui il va aller dehors. Ok, c'est pas grave les gars, c'est pas grave. Oh. Ok. J'aurais peut-être pas tué le tueur du premier coup, mais du coup. Merde. Elle est où la clé? Putain, l'autre il s'est barré. Mais elle est où la clé? Trouvez la clé du sous-sol. Il y a des médicaments là. C'est quoi ça? Là, il y a une clé. Putain, j'ai faim. Oh, elle est là. Prendre clé du sous-sol. Magnifique. Putain, l'autre, ça va, il s'est barré. L'autre, il est allé voir le fusible et il est allé chercher un autre truc quelque part. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que l'autre, il allait vite revenir. Ok, donc maintenant, j'ai la clé du sous-sol. Je dois aller examiner le sous-sol.
Ah, j'aurais peut-être pu lui mettre une balle dans la tête quand même, hein. Mais bon, j'aurais pas eu un 5 étoiles. Hello les gars. Comment ça va, c'est le collègue. Oui. Finalement, je vais faire le tour de la maison. Je sais pas pourquoi, j'ai une soudaine envie. Putain, j'ai eu chaud. L'autre, il est sorti de nulle part. Il y a des points blancs à l'intérieur, les gars. Ok, alors, je dois examiner le sous-sol. Oh, mais gros, j'ai l'impression d'être rentré dans un cartel, là. C'est vraiment le cas, en fait, hein. Ça se voit, lui, c'est un big hacker. Le type d'Ezra Berg ficelé dans la salle d'interrogatoire. C'est l'un des coursiers de l'ennemi. Oh. Donc il y a bien un mec dans le sous-sol, frère. Oh. Se camoufler en hacker. Genre c'est un camouflage ici. Ici t'es un hacker, voilà, bah t'es camouflé, tu fais partie du groupe. Comment je descends? Pourquoi je peux faire un truc? Modifier horloge ancienne. Pourquoi faire? Il y a un tableau. Ouah, il y a des points blancs partout. Faut que je descende, les gars. Ah, mais je vois la cible. Ah, il y a le mec. Hello, trooper. Putain. Comment je descends au sous-sol? 100% faut que je passe à bâton. C'est quoi cette pièce de fou? Éteindre les serveurs. Je pense pas que c'est une bonne idée de faire ça. Quoique, ça peut les attirer, en fait. Je vais sauvegarder, les gars. Je vais sauvegarder au cas où je fais de la merde. Ok. Ouais, c'est ça. En fait, ça attire. Donc ça, c'est l'étage. Mais comment on va au sous-sol? Il n'y a pas de point blanc ici. Se camoufler en soldat d'élite de la milice. Il faut tellement que je fasse ça. Ah mais non, c'est... Non, rien. Putain, il est pas là, le sous-sol. Comment on rentre au sous-sol? Je pense que c'est vraiment dans cette pièce, hein. Ok, l'autre, il regarde un truc. Merde. Il m'a peut-être pas cramé, attendez. Il m'a pas cramé. Je vais peut-être aller voir à l'étage en vrai. C'est bon, je suis pas cramé, les gars. Peut-être c'est par l'étage que t'accèdes au sous-sol, hein. Ça me paraît chelou, mais... Mais c'est quoi cette maison de déglingo, là? C'était intéressant hier soir. C'est vrai que je parle comme un papy, en fait, je viens de me rendre compte. J'ai quand même dit premier degré, c'est quoi cette maison de déglingo, les gars, hein. Et vous savez que en ce moment j'ai remarqué, j'ai un nouveau tic par message, enfin un toc, appelez ça comme vous voulez. J'ai oui, j'avais rien à foutre là, je l'ai compris. Et j'ai un nouveau toc en ce moment. Ah mais c'est là par... c'est par là le sous-sol, vous croyez? Il y a personne. OK, il y a quelqu'un. Hey, who are you? Merde. Il m'a pas vu. That's fucking it, man. OK, il m'a vu. Il m'a pas vu. Ah mais non, c'était là le sous-sol. Je suis en train de tourner en rond. Shit. Parfait. Ok. Mais là, frère. Interférer avec l'interrogatoire de Berg. Je lui ai mis une overdose. Oh, je l'ai tué. Non? Comment ça, je lui ai mis une overdose? Je comprends pas ce que je viens de faire là, les gars. Je vais injecter une overdose dans son truc. C'est quoi ton toc? C'est quoi ton toc? J'avoue, j'ai jamais fini mon truc. Les gars, j'ai un nouveau toc par message. Maintenant. Attendez. On est dans un moment important là. Dr. Berg. Votre type là, je viens de voir qu'il est dans les vapes. Ok. Si c'était pas dans vos plans, vous devriez venir voir.
Ok, mais du coup, comment je vais le tuer? Je vais sauvegarder, les gars, ici. Hein. Ici, je vais sauvegarder. Hein. Il ne dira jamais ton toc. Les gars, mon toc par message, je vais vous le dire. Hein. Mais vous allez voir, c'est pas si ouf. J'ai un toc par message en ce moment. J'arrête pas, parce qu'on était en train de dire que je parle comme un vieux et tout. En ce moment, par message, j'arrête pas d'envoyer des tops avec un pouce. Et c'est le, pour moi, c'est juste ça, hein, l'anecdote. Hein. Mais pour moi, c'est le truc qui fasse le plus daron qui existe. Oh, le daron, mais vraiment. Les gars, mettez dans le chat top avec un pouce. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ça fait vraiment big daron. Je suis déçu, tout ça pour ça. Mais je vous avais dit, hein. Oh merde, mais bon, il m'a clairement capté, là, Berg. Hein, il est inconscient. Ça, Ezra, c'est très embarrassant. Je vais devoir vérifier mes calculs. Quel calcul? Mais il fait des expériences chelous, lui. Merde. Beau travail, 47. Avec un peu de chance, le perfectionniste Ezra Berg voudra examiner ses notes de près pour comprendre ce qui s'est passé. Ok, mais il va faire quoi? Je comprends pas. Mais les gars, j'ai réussi la mission, mais au final, il est pas mort, là, Berg. Activer bouilloire. Merde. J'ai le seum, j'ai fini l'intrigue, mais il est pas mort. Et je crois que je vais y aller à la bonne franquette, les gars. Il est où, là? Après, peut-être qu'il va aller à un endroit, du coup, je vais pouvoir me retrouver tout seul avec lui. J'en sais rien. Comment je me barre, la tête baraque? J'ai envie de sortir! Magnifique. Ok, il est là-bas. Il va dans son bureau tout seul. C'est là que je dois le tuer. All right. Two drops of amphetamine per... Allez, hop. Oh, c'est tellement sale. Berg a été éliminé. C'est magnifique. En vrai, je vous avoue les gars, je crois que c'est le kill dont je suis un peu le moins fier. Je vais vous dire pourquoi. J'ai les clés du garage, moi j'ai tout. J'ai pris un poison. Ça peut servir. Je suis content, mais pour moi c'est quand même mon moins beau kill les gars, parce que je l'ai tué par étranglement. C'est un kill trop classique je trouve. Je l'ai tué juste en mode je l'ai étranglé. Par contre, ni vu ni connu. J'ai réussi l'intrigue, personne n'a rien capté, j'ai caché le corps. Pff, franchement, que dire de plus. Mais le kill était nul. Le kill, les gars, bon, je suis pas trop fier. C'est pas grave, les gars. Et bah, y'a plus qu'à tuer Pénélope. Et bah, Pénélope, Pénélope, je crois qu'on va lui foutre une balle dans la tête, hein, les refs. Hein. J'ai fait deux intrigues et tout. Après, j'ai un poison, là. Est-ce qu'on peut pas l'empoisonner, Pénélope? C'est bon, j'ai besoin de réfléchir et d'avoir un peu de temps pour moi. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais que vous êtes là pour me protéger, mais... Elle veut être toute seule? C'est parfait, ça. Comment on peut la fumer, Penelope? Je dirais que ça fait un bail que vous êtes dans l'équipe. Je me demandais comment c'était ici. C'était sympa de bosser avec Sin Rose. À part tous ces tocs. Ah! On est de retour sur les tocs. Il est réglo. Il est plutôt exigeant, mais pas plus que les gars que j'ai pu croiser avant. Elle veut pas boire un truc, elle? Tu veux pas boire? Pourquoi il y a un jet d'eau? Je peux faire quoi avec le jet d'eau? Activer robinet. Il y a un truc à faire là-dedans. Ah, mais c'est le. Oh putain, je suis de retour ici! Je suis de retour avec lui, là. Putain, lui, il a toujours rien cramé, mais il est vraiment con. Hein. Elle est où, Pénélope? Ok, elle est en train de se barrer. Est-ce que j'essayerai pas de me cacher à un endroit, ni vu ni... Genre, en haut de la grange, petite balle dans la... Mec, je vais clairement faire ça. En haut de la grange, petite balle de silencieux, mec. Personne va rien voir. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Oh,
Tu étais à l'enterrement. Merde, intrusion. Pardon, pardon, les gars. Merde, j'ai pas le droit d'y aller habillé comme ça. Fais chier. Oh, je peux pas aller en haut de la grange, en fait. C'est quoi, ça? Déclencher l'alarme. Ok. Je pourrais aller en haut. Ah, mais je pourrais faire tomber ça et tout. Waouh, mais on peut faire des... Mec, on peut faire des meurtres de fou, en vrai, hein. Eh, je vais essayer de suivre Pénélope et il va falloir trouver le bon moment, en fait. Là, elle est où, là? Frère, il y a une grosse machine à côté d'elle. Ah non, c'est quoi? C'est un cuistot? Extincteur. Je sais pas comment je peux la tuer de manière stylée, là. Fais l'intrigue, fais une intrigue. Vous voulez que je fasse une intrigue? Ou alors... Mais attendez les gars. Les gars. Je tente. La tête de Wam. Faites-moi confiance. Vous êtes prêts ou pas? Graves is down. Excellent work, 47. Stop. VIP is down. The VIP is down. Parfait. Vini connu, les gars. Je vous ai dit, faut juste attendre la bonne opportunité. Faut attendre la bonne opportunité. Infiltrer l'abri souterrain. Attends, mais j'ai encore une mission. Mais j'avais pas capté. Je croyais que je devais me barrer maintenant. C'est quoi l'abri souterrain? Comment ça, je dois infiltrer l'abri souterrain? Oh, putain, j'arrive plus à parler. GG, barre-toi. Mais faut pas que je me barre. Ah, faut que j'aille là-bas. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une alarme? Et logiquement, personne n'a trouvé le corps de Ezra Berg, hein. Normalement, je peux rentrer habillé comme ça, je crois, ouais. L'abri souterrain, mais comment j'y vais, les gars? C'est là où j'étais tout à l'heure, en fait, c'est le sous-sol. Pas de point blanc. Merde. Comment on rentre au sous-sol déjà? J'ai déjà oublié. Le sous-sol. Magnifique. Ok, c'est bien ici. Attends, là il y a le point blanc quand même. Scanner le visage de Rose. Quoi? Obtenez un masque du visage de Shin Rose. Il faut trouver le corps de Rose ou quelque chose. Hein? Mais comment je trouve ça, les gars? Mais c'est tellement dur! Non, mais attends. Les gars. C'est qui Shin Rose déjà exactement? Je le trouve où, lui? Il avait un masque? Mais on parle de Shin Rose ou d'Ezra Berg? Parce qu'il y a Ezra Berg que j'ai tué et il avait un masque. Ah mais non, Shin Rose, c'est un des premiers mecs que j'ai tué. C'est un des mecs que j'ai tué avec Maya Parvati. Je suis trop con. Fais chier. Mec, elle est pas simple, cette mission, hein. Les gars, il y a tellement de trucs à faire dans cette mission. Alors, obtenez un masque du visage de Shin Rose. T'es mal, ils sont en train de transporter les corps. Si ça se trouve, c'est le corps de... Ah mais non, c'est le corps de Pénélope. Merde, mais du coup, il va falloir que j'aille là-bas. Il est mort là-bas, Shin Rose. Je peux pas y aller, là, j'imagine. Ouais, je peux pas y aller. Je sais peut-être où faut que j'aille. Je sais exactement où je vais aller, les gars. Hop. J'avais laissé un déguisement ici à côté. Voilà. Parfait. Nickel. J'avais laissé mon petit déguisement. Et là, je vais pouvoir passer.
Il y a une imprimante 3D? Comment ça, il y a une imprimante 3D? Ça va ou quoi, les gars? Putain, ça fait longtemps, hein. J'étais parti aux toilettes, les refs, c'était la grosse commission, tu connais. Tu connais, frérot. Le cigare au bout des lèvres, hein. Bon, bref. Alors, Sean Rose, évidemment, il n'y a plus son corps, les gars. Ils ont ramassé son corps. Est-ce qu'il avait un bureau ici ou un truc comme ça? Là, il y a un PC, bouteille d'eau. Ah, là, il y a les corps. C'est quoi, ça? C'est du poison? Mort au rat vomitif. Ok, on peut pas déballer. Tain, tous les corps, ils sont ici, frérot. Les trois que j'ai assassinés. Ok. Il a pas un bureau, ici? Où est-ce qu'il pourrait être son masque? Il y a déjà, ils me disent, il a une imprimante 3D. Se camoufler en homme de pointe. Ok, ouais, c'est WAM. Oh, y a tous les guns et tout, wesh. La dinguerie. Je sais pas où faut que j'aille, les gars. Vous croyez qu'il faut que je monte à l'étage? Ça, c'est quoi? Pas de masque et tout là-dedans? Il y a des gens à l'étage de la grange, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse monter par ici. On peut pas monter à l'étage. Ah, si, il y a une échelle. Est-ce que je peux monter à l'étage? Ah ouais, je peux. Mais je pense pas que son bureau il soit dans la grange. Je pense qu'il doit avoir une maison ou quoi. T'en penses quoi du petit génie Rose? Une petite crevure sur mon... Ah ouais, putain, mais... Tout le monde se déteste ici, hein. Travaillent tous ensemble et tout le monde se parle dans son dos. Lâcher Treuil, non. Il y a pas de masque, hein. Il y a quoi, là? Il y a un bras mécanique, mais what the fuck? C'est quoi, ça? Se déguiser agent des opérations spéciales de la milice? Non. C'est quoi, le bras? Eh, vous voulez pas parler ailleurs, vous deux, là? Je peux pas prendre le bras? Putain, ils font chier. Allez parler ailleurs, là. Il fait exprès, c'est dans la maison. C'est dans une maison, les gars. Ah, c'est dans la grande maison principale? Mais je suis curieux du bras. Pourquoi c'est stylé? Ça me fait explorer la map, en vrai. Mec, il y a tellement... En fait, c'est un truc de ouf quand même dans ce jeu, toutes les possibilités qu'il y a. Hein. Mec, le treuil, je vois pas à quel moment j'aurais pu l'utiliser. Bon, vas-y, eux, ils parlent trop, ils m'ont saoulé. Hein. Je voulais voir le bras, c'était quoi, j'étais intéressé, mais vas-y, c'est trop long. Donc, attendez, vous êtes en train de me dire que le bureau de Sean Rose, il était dans la grande maison, au final. En fait, ça, c'est la maison de tout le monde, quoi. Ici, c'est un camp d'entraînement, et là, il y a la maison des chefs, quoi. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir y aller déguisé comme ça. Bah, on va reprendre mon déguisement de tout à l'heure, hein. Ok, parfait. Fouiller la maison. Vas-y, on va fouiller la maison, les frères. Ok. Je suis allé un moment à l'étage. Il se passait un truc à l'étage. C'est sûr. Oh, attends. Frérot, t'es bas là-dedans, là. Putain, il y a des mecs. Faut que je fasse gaffe. Faut que je pense à regarder la petite map en bas. Prendre canette de soda, je m'en fous. Téléphone de hacker. Merde. Oh non, j'aurais jamais dû prendre. Excuse-moi, frérot, je voulais te le rendre, en fait. Non, mais je voulais te le rendre. Tiens. Comment je le jette? Comment je le... C'est pas moi. Comment? Tiens. Je veux te le rendre. Ça dégénère. On recommence. Chargeons la mission. Alors, attendez. On reprend où, là? Je suis du père, les gars. Je crois qu'on peut reprendre là, en vrai. Hein. On va reprendre là. Putain, mais je pensais pas que j'étais cramé. Je pensais pas que c'était un truc... j'étais cramé si je prenais le téléphone. Alors que c'est logique. La maison.
infiltrez l'abri, obtenez un masque du visage de Shin Rose. Putain, mais gros. C'est tellement dur. À l'étage de la maison. Il y a un point blanc derrière. Là, donc là. Là-bas, frère, 100% gros. Ce bureau, ça se voit, il se passe des trucs pas nets. Il y a un mec ou pas ici? Mais il y a un mec qui me suit. Sa grand-mère, il me suit l'autre. Merde, merde, merde! Faut que je me casse. Je pense savoir où faut aller, les gars. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand je cherchais le sous-sol, j'ai vu une porte là, ici, où il fallait la forcer avec un pied de biche. 100% c'est le bureau de Shen Rose. Frérot, c'est un endroit fermé à clé, protégé et tout. Voilà. Mais non, attends, c'est juste une vieille salle de bain. Non, je pète un plomb. Juste une salle de bain de merde. Ah. Oh, merde. C'est quoi ça? Buste de cow-boy. Merde. Il dort ou il est blessé lui? Je comprends pas. On dirait il agonise là. Bureau de Shen Rose. Ok, je suis dedans. Je suis dans le bureau, les frères. Mallette en cuir. Putain, y'a rien à l'intérieur. Je m'en fous, en fait. Dans son bureau. Modifié. Bureau de Shen Rose. On s'en fout. Putain, mais y'a pas des... Y'a pas de masque, là des... On a rien vu. C'est peut-être dans la mallette en cuir. Dissimuler objet. Ah, je peux mettre un truc dans la mallette. Oh, c'est incroyable ça. Mais merde. Mais même dans son bureau, y a rien. Et ici, là, y a juste une armoire. C'est quoi ça? Une pile de montres explosives. Bon, ça va pas me servir, mais on sait jamais. Fais chier, les gars. Bah, on va se barrer de là. Hein. On va se faire cramer pour rien, là, sinon. Alors, on a trouvé son bureau, mais ça avance à rien. Bah, faut trouver un autre truc. Là-bas, il y a plein de trucs aussi. Attends, mais même ici? Non, ici, c'est le bureau, je crois. Balle de baseball. Qu'est-ce que je vais foutre avec une balle de baseball? Quoi ça? Se camoufler en hacker. Wesh, y'a un fond vert. Ça fait des streams ici. Eh les gars, remettez-moi le fond vert là. Il est où le setup? Oh, c'est quand le stream? Combien de viewers là? Oui, bon, c'est bon. Arrête de m'embrouiller, toi. Oh les gars, je trouve pas. Merde, merde, merde. Trouve une imprimante 3D. Il me suit. Je sais peut-être où ça peut être, les gars. Dans la maison. Il y avait une armoire fermée là où le mec il dort. Oh merde. Faut que je me casse. Il va me louper, il va me louper, il va me louper. Il va m'oublier. Ok, il descend. Il passe par où là? J'ai juré, il va m'oublier, vous inquiétez pas. Il a toujours son point d'exclamation, ça me fait peur. L'imprimante. Elle est où votre imprimante, les gars? Il y en a, ils me disent imprimante 3D. Clé de la chambre de Shen Rose. Bah du coup j'en ai pas besoin, je l'ai déjà trouvé, non? Ah non, j'ai trouvé juste son bureau. Attendez, attendez, attendez. Putain, mais il y a lui, il va me cramer lui. J'ai trouvé que son bureau, j'ai pas trouvé sa chambre. Mais si, sa chambre, c'est là où le mec il dormait en fait.
Mais les gars, je vous jure, je suis bloqué là. Putain, lui. Lui, il a déjà des soupçons sur WAM. Okay. Il dort encore, l'autre? Est-ce qu'il y a un bail dans l'armoire? Mais je pense pas, frère. Putain, mais c'est juste ça. Pour moi, faut que je prenne la clé de la chambre. Je vais péter un câble. Il y a tout le monde qui me dit tout là. C'est frustrant. Dans la salle du fond vert, le bureau. Mais les gars, je vous jure que je trouve pas. Je dois être con, hein, mais. Lui, il veut pas changer de place là. Les gars, là, il y a la clé de la chambre. En fait, ça sert à rien la clé de la chambre. Ah, consulter renseignement. Clé de la chambre de Sean Rose, qui se trouve dans le bâtiment d'habitation principal. Ouais, donc ici, quoi. En fait, c'est la chambre là où j'étais juste avant. Tu viens de passer devant l'ordi qui fait le masque. C'est cet ordi, là? Mais je peux rien faire avec ces ordinateurs. C'est ça que je comprends pas. Celui-là? Se camouflant en hacker, non? Y'en a, vous me dites, c'est en haut. Ici, là? Je vois pas d'imprimante 3D ici, hein. Je peux pas interagir avec 1000 trucs, en vrai, hein. Y a un téléphone, une canette, y a un PC, je peux me camoufler en hacker, mais c'est tout. Mais le ref, il y a zéro imprimante 3. Ah! Démarrer l'imprimante 3D! Putain! Mais c'était sous mes yeux depuis le début! Mais je vais péter un plomb! Ok, donc c'est là. Ok. Alors attendez. Parce que là, on va avoir un problème technique. Lui, il est dans son coin tranquille. Ok, les deux, ils vont là-bas. Bah, c'est maintenant. Je t'ai pas dit. J'ai encore repéré un truc hier. Allez, parler. Oh, c'est le bon moment. Du bruit, frère. Oh merde. Maybe it was just a poltergeist. Ça l'a attiré, hein. Il a été attiré par le bruit. Heureusement, il a pas capté que c'était WAM. Merde. No shit. Il y a un point blanc. Ok, c'est bon. Allez, retournez à votre discussion là. T'as repéré quoi hier soir? Encore? Vas-y, raconte. Voilà, parfait. Parfait. Le masque, enfin, monsieur. Enfin! Quelqu'un a déplacé un stylo et ça a déclenché un de ses tocs. Ah, c'est ça en fait qu'on pouvait faire dans le bureau, modifier le bureau. Il a fallu qu'il sorte et il fume un demi-paquet pour qu'il arrive à se calmer. Ouh! Et ben on va enfin pouvoir se barrer! Let's go! Wow, c'était la mission la. Oh non, c'est pas le moment de se faire repérer là. Hein. Pas de barrer, toi? Frère, il est comme devant la sortie! Je vais lui mettre une balle dans la tête, j'en peux plus. J'ai plus aucune patience. T'as de la chance, hein. Allez, hop. Mec, je vais être cramé là, non? Ok, je suis pas cramé. Attends, c'est pas fini! Quelqu'un est parti en catastrophe. Le client de l'ombre n'était pas Sean Rose. Maintenant, c'est sûr. Examinez la salle de commande. Mais ça se terminera jamais. Mais c'est quoi cette mission? Mais what? Examinez la salle de commande. J'ai quoi examiner là? Wesh, mais qui fait ça, gros? Y'a que le professeur dans Casa des Papels qui fait des trucs comme ça normalement. Des visages connus aussi. Thomas Cross. Putain, mais c'est plein de mecs qu'on a tués. Eugene Cobb, le banquier qui a disparu. Tiens. Providence. What? No. No, it can't be. The hidden hand. Thought they were. La main cachée, je croyais que c'était un mythe.
Une hypothèse, rien de plus. Sauvegarde maintenant. Non mais attendez les gars, par contre si là la mission elle est pas finie, je vais péter un plomb. Parce que c'est vrai que je me suis toujours pas enfui. Continue à chercher 47, on doit élucider tout ça. Mais laissez-moi tranquille. J'en connais un qui a bien fait ses devoirs. Regardez de quand ça date. Eyamoto, Bedingford. Si ça se trouve, c'est des mecs qu'on va tuer dans le 2 ou dans le 3. Hein. Il me connaît. Ok, faut que je continue à examiner. C'est pas ici? Je peux examiner quoi maintenant? Le PC? Ah, examiner. But that would mean Providence has infiltrated ICA and Eric Sodas. C'est qui Providence? Their operative. Bastard. It all fits. Putain, on a un adversaire, hein. On a un rival, les gars. This changes everything. Providence, c'est les méchants. Ok. Tirez-vous, 47, on a eu ce qu'on voulait. He is no longer our primary concern. ICA has been compromised. I always wondered if Providence was real, but I never actually... Eh ben là, on est sûr. I will need to confer with the board, but mark my words. Croyez-moi, 47. Il y aura des conséquences. Ouh, ça va être la guerre. Et bah c'est parti. Frérot, je me barre avec le bureau. C'est magnifique. Quittez la mission. Putain, on aura réussi les gars. Il y a eu des moments de galère hein. Honnêtement, j'ai pas vomito. J'ai pas été monstrueux sur cette épreuve. Mais je pense que je dois être bien noté quand même hein. Chasse ouverte. Est-ce que j'ai réussi pas mal d'objectifs? Ah quand même. J'ai validé des petits trucs sympas, les gars. Putain, c'est pas dégueu tout ce que j'ai validé, frère. Et honnêtement, j'ai pris beaucoup de temps, donc je pense que j'ai peut-être pas 5 étoiles, mais arrêtez de mettre des tops dans le chat. C'est horrible, je vous jure. C'est le pire message à recevoir. Top pouce. On dirait vraiment tu t'en bats les couilles. Combien d'étoiles, à votre avis? Moi, je pense un petit 4 étoiles. Allez, un petit 4 étoiles. Sois sympa. Oh, 2. Oh, c'est pas ouf. Oh, je suis un peu déçu. Oh, 2 étoiles, je suis un peu déçu. Après, en même temps, j'ai pris 42 minutes à faire la mission. Ça va encore, hein. Ça va encore. Bon, on a recommencé plusieurs fois. J'ai mes 2 derniers kills. Ils étaient faits un peu rapidement, en mode... je me suis dit, vas-y. Hey, j'ai la flemme de tergiverser. Bam, bam. Et bon, et bah, magnifique. Suivant. Et bah les refs. Putain, j'ai débloqué là les armes. Un jour ce sera cool un jour de refaire une mission avec un nouveau lieu de spawn, des nouvelles armes, etc. Oh, nouvelle animation. On peut enfin aller dodo. Pas tout de suite frérot. Rose is gone. Rose est mort. C'est qui lui? I don't believe it. I took every precaution. Rose knew the risks. They all do. You did well, Olivia. I am beau travail, Olivia. Je suis fier de toi. Now listen. Wesh. The ICA knows about you. They kept you alive because they needed you, and now they don't. C'est WAM! We won't talk again. Not until the storm is over. I don't like it. This man, you know what he's capable of. You need to end this now. I ran away as a boy. My friend and I. Away from that place. We came upon a small farming. Je rêve où j'ai eu chaud de fou là. Poor, but this woman, she took us. Est-ce qu'il m'a encore dans le viseur? We were awakened the next morning by the shots. A dozen people lay face down in the snow. A warden didn't like to leave witnesses. Donc lui, c'est un mec de Providence, lui. Et Olivia, c'est quoi? C'est ça... C'est la meuf qui fume les autres gens? This is your gift.
The warden told us. Your gift and your curse. Touching lives only by ending them. You know him. Pourquoi il n'a pas tiré? Je l'ai regardé là. Oh le regard. Oh le regard foudroyant. Oh frérot, il allait me tuer en un regard, il a eu peur. C'est infime ce jeu, c'est aberrant, vraiment. Encore une mission, s'il te plaît, le Mich. Non, les gars, moi je vais voler ça là, il est minuit. Et je vais pas vous mytho qu'en plus, je vais même pas dormir après. Continuer l'histoire Situs Invertus. Oh, elle a l'air bien la prochaine mission. Dans la neige, et je sais pas, la tenue de Hitman sur cette mission, elle m'inspire. Je pense que j'ai bien aimé la prochaine mission. Oh là là. Bon bah les gars, merci d'avoir suivi le live encore une fois. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment et tout. Honnêtement, c'était trop bien. Les gars, Hitman, je suis vraiment accro. Hein. Je vous dis la vérité, ça y est. Ce jeu a eu raison de moi. J'aime trop. Bon, je galère un petit peu et tout, mais après c'est normal les gars, parce qu'il y en a beaucoup dans le chat, vous essayez de m'indiquer, mais vous connaissez le jeu. Donc évidemment, c'est un peu frustrant pour vous. Vous êtes en mode, mais t'es trop nul, frérot, c'est évident qu'il faut faire ça. Mais rappelez-vous quand vous jouiez la première fois, je pense que c'était pas aussi simple. Et bah, tac, je vais quitter le jeu. Merde, j'ai lancé la mission, je crois. Merde, j'ai lancé la mission. Oh, oh. Non, y'a pas de mission là. Stop, allez. C'est fini là. Putain, même mon PC, il veut que je continue à jouer. Non, les gars, là, je vais vous laisser là. Parce qu'en vrai, je vais même pas. Sachez que je vais même pas me coucher là. Il est minuit, mais j'ai encore plein de trucs à faire. Je dois regarder aujourd'hui là. Ce soir, je dois regarder ma vidéo qui sort dimanche. D'ailleurs, la vidéo de ce dimanche, oh là là, j'ai trop hâte. C'est vraiment grosse vidéo, mais je dois la regarder, faire tous les retours au monteur, etc. Faire la version finale. La vidéo, pour l'instant, elle dure quasiment une heure. Donc, pour vous dire, les gars, elle va durer longtemps, la vidéo de dimanche. Top. Ok, donc vous en avez rien à foutre. Ok, j'ai compris, les gars, pas de problème. Michou, tu lis pas assez le chat. Ouais, mais après, j'ai pas envie de trop me spoil. Parce que le chat, en général, des fois, vous dites vraiment le truc trop explicite, en mode, vous donnez trop la réponse. En mode, il y a l'imprimante dans le bureau à l'étage. Ok, bah, fin du game, tu vois. C'est quand même cool d'avoir un petit côté recherche. Bon, après, là, j'avoue, j'ai vraiment galéré. C'était un peu relou, mais... On ne spoil rien, t'inquiète. Topissime. Oh là là, c'est vraiment... Là, c'est darwinesque, hein. Bon, les refs, je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Demain soir, je live pas. Là, je live pas avant un petit bout de temps, quand même. Parce que demain soir, je live pas. Ouais, non, je pense pas que je live demain soir. Jeudi soir, il y a le match France-Irlande, je live pas. Vendredi soir, il y a le premier match de la Coupe du Monde de rugby, je live pas. Samedi, il y a GP Explorer, je live pas. Donc, et après, dimanche, c'est ma vidéo qui sort. Peut-être je liverai dimanche. Je sais même pas, les gars. Je fais quoi dimanche? Calendrier, bam. Qu'est-ce que je fous dimanche? Dimanche, je fais rien. Donc, logiquement, peut-être je liverai dimanche soir. On verra, les gars. Je vous tiens au jus. Mais ouais, là, je vais pas live avant un petit bout de temps. Bref, je vous souhaite à tous de passer une bonne nuit, les gars. Bonne rentrée, ceux qui rentrent demain. Bon courage pour les cours, tous ceux qui ont cours et tout demain. Et à bientôt. Bisous, la mif. Bisous, le chat. Zoubi, top. Bon, allez, ça y est, on a compris, top.